C'est le slang de Montréal. C'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur. C'est comme ça qu'on jase. Vous savez, les bijoux, ça fait partie du story pack d'être un rappeur. Bracelets, chaînes, pendentifs, des grills, une bague de fiançailles, peu importe le morceau que vous voulez, ils peuvent tout faire sur mesure. Chez le top bijoutier en ville, Bijouterie Jamil. Allez les checker, ils ont deux localisations, dans le cœur du plateau et un à Rosemont. Pour le meilleur prix en ville, dites le code promo RAPOLITIQUE. N'oubliez pas de suivre leur page Instagram @JamilJewelry. Investissez dans votre swag avec de l'or. Il y aura toujours une valeur de revente. Yeah, what up, what up? Bienvenue à une autre émission de Rap Politique. Je suis Monsieur de Montréal. It's your boy KK. Gros shout out à Munchies. Vous savez déjà, la boutique exotique près de chez vous. Dites Rap Politique et vous allez avoir un 15% de rabais dans tous les Munchies. S'il y a un problème, well, just holler at me. Là, aujourd'hui, c'est une émission très, très, très spéciale. On a des gros, gros guests. Mm-hmm. On a un producer légendaire qui est déjà venu à Rap Politique, un ami de l'émission aujourd'hui. Avec son acolyte qui ont un projet ensemble. C'est un gars qui vient de ma génération du rap en plus. Ouais. On s'est connus, ça fait des années, on s'était croisés. Back then, on va en parler. Yep. On va faire du bruit pour le Chum Production, Eric Al. Yeah. Si on va assurer que le chum laisse Rical parler aujourd'hui. Non, t'inquiète, j'ai pensé à ça. Non, je suis venu ready. Je vais faire de mon mieux pour pas déraper. Hein. Yes. Puis yo, guys, avant de commencer, je voulais vous remercier pour l'invitation. C'est grandement apprécié, you know. Donc, big shout out pour ça. Puis, je voulais vous donner vos flores aussi. Pour moi, c'était important. Parce que, tu sais, Kéké, on se connaît quand même depuis longtemps. Ouais. Brièvement, juste dire, tu sais, t'avais fait le vidéo avec Fizzy dans le temps que c'était Global Net. You know, so, félicitations pour les accomplissements depuis, you know, de ce temps-là jusqu'à maintenant. Big shout out. Même chose à Cyrano aussi. Comme tu disais dans l'introduction, on s'est croisés depuis back then, ça fait au moins 15 ans facile. Puis yo, tu sais, je connaissais Cyrano de Bergerac, mais là, j'ai entendu qu'il y avait un Cyrano de Montréal. Je suis comme, damn, ok. Puis je trouvais que le nom était funky dans le bon sens, c'était nice. Puis yo, il n'y a pas un gars qui chante comme toi, puis c'est ce que j'aime, mon gars, parce que j'aime quand c'est différent. Donc, il n'y a pas un gars qui place les mots comme toi. So, big shout out de passer de la carrière de rappeur jusqu'à ce que tu fais actuellement. Donc, je voulais vous donner vos fleurs, les gars. Merci puis, beaucoup, bro. Merci bon, à vous. C'est bon de donner des props. Dans yeah. Bro, good job. J'aime on ça. T'aime, on s'aime. On va faire un toast pour ça. Pour moi, c'est important. Moi, j'arrive toujours avec les bubules, les gars. Les bubules. Ouais, c'est un gars de bulles. Moi, je suis un gars de bubules. On arrive toujours en deck. On va pop ça. On commence. Première émission avec le chum, on était sur des bulles. Je vous sers en premier, hein, les bulles forever. Je vous sers en premier. Rical a déjà son drink. Je suis pas un gars de bulles, Rical. Yeah, that's it, man. More for us. Ouais, c'est correct ça, on boit de l'eau. C'est un gars de brown liquor, lui. Non. On boit de l'eau bénite, you know. Le brown liquor, man, c'est fluide du diable, man. Merci, monsieur. Trano! Hello! Comment allez-vous? Merci! Mais yeah, for real, man. Yo, big shout out, messieurs. You know. Félicitations aussi pour l'émission, man. Fais gros toast à vous, man. Merci de nous recevoir. Messieurs. Moi, la deuxième fois, je suis comme chez nous. Longévité dans le game. Longévité. Moi, je vous dirais santé, longévité et prospérité. Mais santé avant tout. Yeah, la santé, santé avant tout, les gars. Santé avant tout, man. Hey, on se fait mieux, la santé avant tout. So, merci, man. Cheers, les gars. Cheers. À la bromance. Big respect, man. Fait que Rical, t'es un gars d'où à la base? I'm not sure. Je pense que c'est Parkex. Moi, je suis un gars de Parkex, mon gars. Parkex Extension, PX, you know, la 80, la 179. Fait que ceux qui savent pas, ça se situe où sur l'île de Montréal, qu'on parle de Parc X, c'est à quelle hauteur, c'est quoi? Parc X, dans le fond, c'est l'arrondissement Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. Donc, c'est le métro Parc un peu. C'est entre Ville-Mont-Royal et Villeray, genre de, si tu regardes ça de l'ouest à l'est. Ouais, exact. Donc, c'est un petit quartier tout petit. C'est un peu plus vers l'ouest de Montréal. Exactement, c'est à l'ouest de Montréal. L'Acadie, Jean Talon, dans ces coins-là.
Donc, grosso modo, c'est dans l'Ouest. Parc Extension, mon beaucoup gars. D'Indiens. Beaucoup d'Indiens, ouais. Pakistanais, ben Bangladesh. Oui, en été, vous c'est... passez là, puis vous sentez le curry. Ah, ah moi, je peux pas aller là. J'ai une intolérance au curry. Depuis 1992. Ouais, je suis à Parc Ex depuis 92, mon gars. Mais les relations entre Black et Indiens, est-ce qu'il y a d'ailleurs, comme tu as déjà fréquenté une Indienne, une Pakistanaise, ou est-ce que c'était un peu plus difficile? Tu niaises, mon gars. Back in the days, I mean. Tu sais, moi, j'ai du respect pour tout le monde. Les relations étaient très bonnes. Parce que c'est ça la beauté d'habiter dans un quartier comme Parc Extension. C'est multi-ethnique. Non. J'en ai jamais drillé une. Merci. Arrête de parler avec ta veste, là, le bon français. Non, j'en ai jamais drillé J'en ai jamais drillé d'Indienne. Je suis allergique au curry, ça marchera pas, moi. Mais il y avait une belle Indienne back then que je filais beaucoup. Il y a les beautés dans tout, tu vois, les Miss Universe et tout, mais quand tu vois une belle Indienne, c'est comme si she's out of the world, t'es comme, c'est quoi? Mais c'est dur, je fais du game, man. La seule chose, par contre, je pense quand ils vieillissent, c'est pas des gens qui vieillissent très bien, ouais, tu sais. Avec tout mon respect, avec tout mon respect, tu sais. C'est mon humble opinion, tu sais, les Blacks, comme on dit, Black don't crack. Mais les Indiennes, peut-être avec l'âge, c'est pas comme quand ils sont jeunes, you know. Yeah. Mais est-ce que t'es avec tout mon respect, tu connais, là, entre la différence, quand tu sais, c'est comme Sri Lanka, Bangladesh, Indien, Pakistan, tu connais là des différences ou pour toi? Oui, oui, oui. Vu que t'as grandi là, tu vois la différence. Sri Lanka, je peux voir la différence. Bangladesh, Pakistanais, ouais. Indien. Je suis capable quand même de différencier. Il y a beaucoup de Grecs aussi. Là. Ah ben oui, Parkex. Oui, mais c'était eux le hood originalement, c'était les Grecs. Exactement. Ensuite, les Indiens de l'Est sont venus. Ouais. Les Haïtiens aussi. Puis les Haïtiens sont là aussi. Je te dirais peut-être fin années 80, début années 90. Haïtiens de tous côtés. Il y a Africains aussi. C'est multiracial, c'est ça. Ouais. Il y a un bon resto grec là. Lequel? Sur Jarry? Je sais que c'est Park X. Il y a le Elatos sur Jarry. Il y en a 52. Donc, si tu veux vraiment de la bonne cuisine grecque, que c'est la recette du grand-papa, là, Elatos sur Jarry, je sais que c'est bon. Okay, c'est Elatos, un classique. Ça, okay. Le Marathon. Marathon, c'est pas Park X. Ça, c'est une grosse chaîne. Un des meilleurs restaurants grecs, je pense, c'est à Park X. You know? Entre autres, Elatos, je sais qu'il y a du monde qui vient de loin pour... pas aller manger là. Ah ouais? C'est bon, grec. Exactement. Non, c'est bon. D'ailleurs, moi, j'adore. Moi, beaucoup de grecs, là. Tu sais qu'est-ce qui est fou, mon gars? La nourriture indienne, au début, les gars comme moi qui ont grandi à Park X, on n'aimait pas ça. Parce que comme tu dis... Tu sais, j'habitais dans un building, ça sentait le curry, whatever. Ouais, ouais, for real, là. Aller là en été, ça sent... Yeah, jusqu'à ce que... Fast forward, 15 ans plus tard, je fréquentais une femme qui est allée dans un restaurant indien, puis elle m'a dit, oh, tu devrais essayer ça, je suis quand même, ok? Là, j'ai essayé la bouffe indienne depuis, j'adore, mon gars. Ah ouais? Hein? Yeah, le poulet au beurre, le bégin barta, non, j'adore. Es-tu des fans? Hein? Des fans? Ben, ouais, mais moi. C'est plus quand le monde, ils vont en manger, genre, mais j'ai pas commencé à dire. Tout comme toi, c'est à travers familial. Fait que j'ai un membre de ma famille qui est marié avec une Pakistanaise indienne. Puis c'est elle qui m'a introduit à la culture même indienne, you know? Nice. Et puis, pour de vrai, là, je suis comme le... En plus, je suis le parrain d'un de ses enfants aussi. OK. Ouais. Fait que je connais quand même bien... Ouais, j'ai le butter chicken, Trini, on the Trini side. OK, Trini side. T'sais, c'est fou des fois, je me rappelle quand je jouais au basket au centre, il y a un monsieur qui nous avait donné des samosas parce qu'il y avait des événements indiens. Ouais, samosas, c'est vraiment bon ça. Il nous a donné un gros sac de samosas, on a tout jeté ça à la poubelle, mon gars. Ouais, parce que t'sais, l'ignorance des fois. C'est samosas maintenant, t'en as là. Yo, maintenant tu me donnes un samosa, mon gars, je mange ça en 15 secondes. Oui, c'est vraiment bon. Mais back then, on était comme pas down comme ça avec, you know. Mais on était jeunes, you know. Fait que t'es allé à quelle high school? Yo, moi, j'ai été à l'Académie de Robertval. C'est privé, ça? Non, c'était pas privé. Ah, Robertval! Robertval, à côté de l'hôpital Jean Talon. Exactement, je connais cette école. C'était Monsieur Jeune, le directeur, là. C'est Monsieur Haïtien, là. Académie de Robertval. Ah, le directeur est un H? Ouais, Monsieur Jeune. Vous connaissez pas Monsieur Jeune? Non. Dites-moi pas, vous n'êtes pas déjà allé à Robertval checker des femmes, man. Parce que yo, les gars venaient checker des femmes à Robertval. C'est sûr que tu venais checker des femmes dans l'heure du midi. J'avais là. Une amie qui allait à Robertval. Back in then, ouais, that's how I know the name, ouais. Exactement, mon gars. So, j'ai été à l'Académie de Robertval 4 ans. La dernière année, j'ai été à Lucien Pagé. Ah, ok, il a kicked out, genre? Yeah. Non, ça,
ça a commencé à moins bien aller. Des odds. Yeah, mais on dirait que t'es le premier qui vient ici, qui est allé à Roberval, pour de vrai. Comme... C'est pas une école qu'on entend souvent quand les gens viennent, il me semble, je l'ai pas entendu. Académie de Roberval. Non, parce que, tu sais, c'était quand même une école, il fallait que tu passes un test là, pour aller là. Okay. C'est comme semi-privé. C'est ça, non? C'est ça. Let them know. Yeah, yeah, bro. So, il fallait que tu aies une bonne moyenne pour aller là. Puis, yeah, exactement. OK, you know? OK. So, bro, j'étais bon à l'école. You know? Jusqu'en secondaire 3, 4, ça a commencé, you know, okay. Commencé à fumer, whatever. Là, mais oui. J'étais très bon à l'école. Là, c'est know? Ça, c'est, on dit pas mal de niaiseries, mais on est loin d'être cave. C'est ça, c'est ça. Parce que t'avais le choix soit d'aller à La Voix, aller à Mont-Royal. Puis je pense que c'est ça, t'avais Roberval. Donc ma mère, elle préférait que j'allais à Roberval. On fait partie encore des rappeurs qui ont leur diplôme secondaire. Monsieur Jeune, c'est un bon directeur, c'est un directeur haïtien. Donc tous les parents dans ce temps-là, mon gars, voulaient que leur fils aille ouais, là. Ouais, ouais, ouais. Faire un marché de SS. Yeah, puis Monsieur Jeune, il niaisait pas là, you know. T'sais, si tu niaisais, mon gars, ils réservaient le doigt de te foutre une cale. Là, that's it. Récal, toi, t'as grandi avec tes deux parents à la maison? Non, moi, j'ai grandi juste avec ma mère. You know? Donc, dans le fond, pour faire une histoire courte, moi, je suis né en Haïti. Je suis né à Port-au-Prince, Marty 119, Ruelle Clément, en straight 92. Up. Même pas, en 91, on est venu ici. On est allé à... sur la rive sud, à Saint-Lambert. Okay. Yeah. J'ai habité 6 mois à Saint-Lambert chez mon oncle. Mais tu sais, c'est comment des fois quand t'habites chez la famille, ça n'a pas fonctionné. Ton accent aurait été différent si t'aurais ouais, là, j'étais un rappeur de la rive sud, you know. C'est ça, mon gars. So, là, après, on est retourné en Haïti, on est revenu ici à Paris. Ah, t'es retourné en Haïti? On est retourné, puis en 92, on t'as est revenu ici. J'avais 7 ans. Okay. Je suis venu ici à 7 ans. Et pour répondre à ta question, juste avec ma mère, tu sais, mon père, je ne l'ai jamais connu. Non. Ah, non, t'as jamais connu, non, ok. Non, non, non. So, c'est juste ma mère qui m'a élevé. Non. Puis t'es quoi, t'es enfant unique? Je suis enfant unique. Ah, straight up, ok, ok. You know, donc, j'avais une mère poule, you know, mais j'ai dû avec le temps, comme... Mais t'as pas grandi que... égoïste, t'es dans le partage et tout. C'est ça, c'est le seul... Quand t'es enfant unique, t'sais, ça, c'est un des premiers défauts des enfants non, uniques. Non, là, tu parles d'enfant roi. C'est qu'ils connaissent pas le partage, les bails, yeah, yeah. Mais, yeah, c'est ça. Mais j'aurais aimé avoir des frères et sœurs, you know. Mm-hmm. C'est pour ça que j'ai toujours voulu avoir une grosse famille, 3, 4, 6. Genre ça, les boys. Mais, yeah, man, mon gars, ouais. Je suis fils unique. Et j'ai juste grandi avec ma mère. Mais est-ce que tu as goûté à l'école en Haïti? Ouais, en Haïti, ouais, j'ai... c'était comme genre la pré-maternelle, ouais, I guess. Ouais, ouais. Donc, tu sais, t'avais l'hymne national le matin. Ah ouais? Tu devais lever le drapeau, you know. Yeah, yeah. Ah ouais? Tu voulais être celui qui hisse le drapeau, là. C'est jamais arrivé, là, pour moi. Ouais. Mais, so, yeah, c'est ça, man. C'était comme la pré-maternelle. Donc, t'avais la petite chemise carottée rose, là. So, yeah, mon gars. Mais moi, je pense que c'est quelque chose de bien de chanter son hymne national. Yeah. Moi, je pense que c'est bien. Il devrait... Tu sais, imposer ça à l'école le matin, je pense que je crois qu'on devrait le chanter parce que ça va donner plus un sentiment d'appartenance. Exactement. On chante tous ensemble. Ouais, mais l'affaire ici, c'est la politique du Québec. Là, c'est ce qu'il y en a une pour le Québec, ce sont celles du Canada. Juste ça, c'est sûr, ça va être un mais débat. C'est pour ça qu'on avance pas. Il y a toujours ce conflit-là. Aux States, aux States. Même si t'es pas d'accord avec l'historique des States, au moins tu sais qu'il y en a un ici. Ouais, c'est Québec, c'est l'hymne national du Canada. T'as pas le choix, on est au Canada, on est au Québec. Tu chantes au Canada chaque matin. On va dire ça des Québécois vraiment, genre comme nationalistes. Chaque matin, wake and bake, on chante l'hymne. On chante l'hymne, le gros man. Non, c'est c'est sûr, comme si tu tirais puis tu chantes l'hymne. Ça va donner une fierté d'où tu viens. Yeah, c'est sûr, you know. Ça, les Américains sont tous, je suis américain, moi. Ici, on est, je suis haïtien, je suis ici, je suis ça, je suis portugais, je suis grec. Yeah, yeah. Mais t'es né ici. Ouais, vous êtes tous comme... des Québécois, arrêtez. Là. Yeah, non, mais ils le disent pas. C'est ils comme. Disent pas. On est, aux States, ils vont le dire. Ouais, aux States, ouais, ici c'est différent. Mais ici, comme Kéké dit, le fait que, tu sais, le Québec, comme on est la seule province, I guess, francophone, entourée d'anglais, c'est ça, se sont battus contre les anglais. Donc, tu sais, c'est pas t'as facile. Un problème, yeah, yeah, c'est un problème. Nouveau nègre d'Amérique! Yeah, 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 mais... Est-ce que t'as à l'école avec des rappeurs qui ont réussi un peu dans le rap? À Roberval. À Roberval, nah. Ben, tu sais quoi, mon gars? Non, parce qu'à Roberval, qui rappait? Ben, les gars avec qui j'ai commencé à rapper, D-Flesh, Guy Maev, c'est des gars qui étaient à Roberval. Mais des rappeurs connus qui sont là et bien établis, non. Non. Parce qu'on n'en a pas eu à rap politique. Récal, que... c'était le bum du collège privé. Le bum! Peut-être, je sais pas, tu sais, Warren Marquette? Oui, okay, oui. Je pense qu'il allait à Roberval. Okay. Warren allait à Roberval. Oui, oui. Parce que je pense...
c'était les gars d'Oximili dans le temps. Je sais pas si tu te rappelles de ce groupe-là. Warren était dedans, je crois. Black Keb, je me rappelle de Black Keb. So, Warren Marquette, je pense qu'il y a là, Robert. Ouais. Non, Black mais c'est lui, c'est Warren Marquette. Ok, ouais. Ben c'est son nom. Avant, là, okay. C'était Black Keb. Oh, okay. Là, il a changé à Warren. C'est inclusif. Mais il me semble que je suis pas mal sûr à 98% qu'il y a là, Robert Val. Ok. Mais sinon, je pense pas qu'il y a d'autres rappeurs qui me viennent en tête qu'il y a là. Ok. Ok. Okay. Munchies, le dépanneur exotique. C'est un dépanneur sur les stéroïdes. Ils ont des produits importés, friandises et boissons exotiques. Plus besoin de voyager pour découvrir les saveurs exotiques. Des friandises accompagnées de défis tels que le bonbon le plus épicé au monde, manger des scorpions, oh, des bugs. Oh. Oh. C'est aussi une entreprise familiale. Allez-y, vous allez bien vous régaler. Saint-Martin-Ouest, Laval, Sainte-Rose, Sainte-Thérèse, Blainville, Saint-Jérôme, NDG, Sainte-Catherine, boulevard Tachereau et bientôt à Kirkland. Utilisez le code promo RAPOLITIC pour un 15% de rabais en ligne et en magasin. Oubliez pas de vous brosser les dents. Straight up, man. Park okay. X being rapping right now. Il n'y a pas trop de gens qui sont venus rap Park X. Ça, je suis content d'être là, mon gars. Tu rap là. Il y a Park X parce que beaucoup de rapports de Villeray, comme le Chummy, ouais. Beaucoup de rapports de Saint-Michel, Pineuf, Toutes mais Park X. Park X, on n'entend pas. Quand tu y penses, il n'y en a pas beaucoup. Coup, mon gars, non, mais il y avait un mouvement dans le temps parce que justement, c'est comme ça qu'on s'est croisés, yeah. Right? Yeah, yeah. Parce que c'était comme un atelier, c'était un show, le c'était street quoi? Sound. Le street sound. Yeah, yeah. Big shout-out à Baptizer, à Greggy. Yeah, yeah, non, puis c'était des ateliers, puis c'est ça qui m'a connecté aussi un peu avec le rap. Ouais. Puis comme, je pense, comme tu dis, c'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais, j'avais été quelques fois. Ouais, ouais. C'est quand on essaie de link up dans le rap, là, what's happening? Quelle année, yeah, yeah. Ça, c'est début 2000, là. Ouais, 2000. Ah ouais, ça, c'est... 2000, début 2000. 2, 3, début 2000. Début 2000. Mais tu niaises, bro, là-bas, t'avais, comme on disait tantôt, off-cam, forcé. C'est là qu'il y a, que j'ai rencontré forcé à Street Sounds, au Titi aussi. Avec Section Z, Manu Militari, elle est là. Ouais. Donc, il y a beaucoup de rappeurs qui sont passés par Street Sounds, you know? Mm-hmm. So, yeah, big shout-out, man. So, j'ai passé par là aussi, Nexayo. Yeah, 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 yeah. Nice. Moi, je faisais même pas de musique en 2000. En plus? 2003. Ah, je faisais mon gros possible. Yeah, yeah. Ah, des années 2000, là, je faisais mon gros possible. Yeah, non, c'est commençais fou. Déjà les beats et tout. Ben, je faisais sûrement des beats par-ci, par-là, à tête... Mm-hmm. À temps perdu. Sûrement. Ben 2003, t'as come up, toi. Je faisais rien. Je faisais juste des beats au début. T'as come up dans l'era de BBT. Ouais, exact. C'est era là. Mm. Yeah, yeah, bro. Puis j'écoutais, je pense, le That's My Boy. J'étais au secondaire, là. Tu sais, BBT, Bozzy Boy. J'étais ouais, en secondaire. Ouais. Moi, j'allais au school avec les gars. Ils étaient un peu plus vieux que moi, ça. Okay. Je l'avais dit, là, mais. Yeah, yeah. Ouais. Ok, fait que c'est ça. Puis Récal, le nom est venu d'où, ça veut dire quoi? Je m'attendais à cette question-là, mon gars. Donc, la fois Récal, mon gars, c'est parce que ça vient de... Tu sais, quand tu commences à rapper, tu te cherches un nom, shit, comment je dois m'appeler. Puis là, ça vient de récalcitrant. Ouais, le récalcitrant. You know? Puis ma mère me disait, yo, toi, t'es un récalcitrant, toi. Donc, récalcitrant, c'est quelqu'un qui a une tête dure, qui défend ses opinions. La même chose. Exactement, tu sais... T'sais, j'ai une tête dure, je défends mes opinions. C'est un beau mot. Donc, mais tu sais, après, j'ai comme récalcitrant, c'est long. C'est long. Puis, on m'appelle mon coach de basket, il m'appelait Citron. J'ai comme, ben non, mon cher, you know. So, tu sais, il me niaisait là. Mais so, là, j'ai dit, ben non, récalcitrant, c'est trop long. On a coupé ça, récal, changé le C pour un K. C'était la mode back then, you know. Ça, c'est ça, là. You know. Mon petit style. Exactement. Donc, c'est ça. C'est récalcitrant à la base. Yo, Récal. Puis tout le monde m'appelait Récal aussi parce que dire récalcitrant, c'était le équipe. Mais moi, c'est récalcitrant. La première fois que j'ai entendu, c'était. Yeah. Yo, c'est qui chante? Il dit c'est récalcitrant. Je fais, oh, ouais. Fait qu'il rappait déjà quand tu l'as rencontré. Oui, il rappait. Je pense qu'il a commencé avant moi, même. Yeah. Parce que dans le fond, man, pour en faire une petite histoire courte, j'ai commencé à rapper au secondaire parce que. Le Rain Man sont venus faire un show à Robertval en secondaire 1. Big shout out à Rain Man. Okay. Puis là, il y avait un des gars qui était dans ma classe, là, Rodolphe, Primortel. Là, il est allé performer. Puis là, quand j'ai vu ça, je suis comme, waouh. Parce que moi, j'aimais le français. Mm-hmm. So là, j'ai vraiment aimé la performance de Rain Man. Ça m'a influencé à rapper. J'ai commencé à rapper avec D-Flesh. Qui m'a mis en connexion avec le chum. Nicker aussi, donc... depuis le secondaire. Dès que j'ai entendu, man, j'ai un, fait, deux, oh, on rappelle. Qui c'est bleu, ouais. Exactement. Oh, non, ouais. So, c'est vraiment mon bro D-Flesh qui m'a dit, yo, il y a un gars qui fait du chop and screw, il fait des beats à la 3-6 Mafia.
Je suis comme, hein, ok. Il manquait juste moi dans sa vie, là. Puis là, on s'est rencontrés comme ça, et non pas pour sauter les étapes de tes questions, mais c'est vraiment un peu comme ben, ça. Ben, D-Flash m'a fait écouter un track de lui. Mm-hmm. J'ai fait, yo, c'est qui ce type-là? Il me dit, c'est récalcitrant. Je fais, shit, il est bon. Je le verrai sur mes beats, puis je l'ai là, puis bang, bang. Mais t'as pas commencé à rapper comme ça? C'était quoi le thought process jusqu'à temps que tu deviennes nice? Ben, tu sais, comme je te dis, le show de Rain Man à Robertval, ça m'a... Je rappais pas encore. Ça m'a grandement influencé. J'ai commencé à écrire 2-3 verses. Mais t'as pas eu de folie d'écrire en anglais comme tous ces gars-là à l'époque? Non, avec un anglais marron, là. Non, yo, I'm going to the streets. Non. Moi, yo, with my gun, popping niggas. Yeah. Non, même pas, mon gars. Moi j'adorais le français, comme je te dis. Donc, moi, c'était français. Depuis le début, c'était en français. Gars, exactement. J'ai jamais eu le goût de rapper en anglais. Malgré qu'on sent l'influence américaine, Dirty South, Crunk et tout ça. Yeah, t'écoutais ça aussi ou c'est le jump que t'as mis là-dedans? Non, il était déjà là-dedans. C'est un advocate. Demande à Kéké, mon gars. Il y a juste eu la mort de Gangsta Boo. J'ai comme senti une larme sortir de Bro, j'ai disparu quelques jours là, après la mort de Gangsta Boo. Par réflexe, j'ai regardé juste le rôle à Rika juste pour regarder. J'ai jamais vu un gars aussi advoqué pour le South. Quand t'as entendu qu'elle est décédée, j'ai été regarder où elle est la mort à Rika. Yo, j'ai rien poussé pendant quelques jours parce que. Troisième soldat, man. Yo, ça m'a traversé. Ouais, la drogue. C'est ça. Puis c'était Overdose, d'après ce qu'il overdose. 24 heures avant, je regardais ses stories, puis après on me disait ça, j'ai dit, mais c'est impossible. Je regardais ses stories, whatever, puis là je vois, c'est DJ Park. C'est souvent du fentanyl. Soit un Percocet, tu connais ces artistes de Memphis, ou de la cocaïne, parce que je sais que. C'est vraiment louche, puis Gangsta Boo était fort là-dessus. Best female, à mes yeux, de tout le game. Quand tu vois les Glory Lap et tout ça, c'est du Gangsta Boo. Ben oui, toi t'es comme, ouais. You don't think that. Viens pas dire, ben oui. Yo, il a dit best female rapper, Gangsta Boo. Du South. Non, c'est pas de South qui a dit. Non, moi, c'est South, c'est correct. Best female rapper. Selon moi, ouais. Sans Gangsta Boo, là. C'est ma préférée. C'est la first sans lady. Sans Gangsta Boo, il n'y a pas de female rapper du South. Il n'y a pas de Lato, il n'y a pas de Nicki Minaj. J'entends pas Trina dans son style. Ben, non, Trina ne rappait pas comme Gangsta Boo. Non, mais c'est... Non. Elle n'a pas influencé tout le monde dans le South, là. Mais tous les petits jeunes et tout. J'ai pas dit influencé, mais moi, tu sais, c'est Originator, mais il y en avait d'autres. Non, c'est peut-être pas la goutte pour moi, mais dans le South... Yo, ténébreux South, dark shit. Le flow, les triplets. Il n'y a pas de femme vraiment qui rappait comme ça, là. Pour de vrai, vous me faites vouloir, je vais aller hériter du Gangsta Boo. Gangsta Boo, mon gars. Juste pour vous, parce que c'est un gros talk, lui. Mais je sais que vous êtes sur ça, non, sur le grand South. Sur leur musique, c'est ça. Ça nous affecte. South, ouais. C'est ça, mais, je comprends. Mais sinon, mon gars, pour revenir à ce que tu disais... mon premier contact avec le rap, là, c'est j'habitais sur Jarry à Parkex. C'est DJ Cool, c'était mon voisin, on habitait dans un building. Mm-hmm. Le premier qui m'a donné, c'était l'album de Nas, le Illmatic, il me semble. Non, excuse-moi, le It Was Written. Cet album-là, il m'a donné, c'était une cassette dans le temps. Ouais. Puis l'album de Snoop, là, avec le cartoon, là, dessus. Là. Fait que t'es venu d'un bon noyau. Ah. Okay. C'est mon premier contact avec le rap, c'était ça, mon gars. Ah, c'est ça, t'allais jamais partir après, t'as mais ces albums-là, mon cher. Après, quand les Napster dans ce monde sont arrivés, et toutes ces choses-là, j'ai commencé à écouter du Memphis shit. Là, j'étais comme, waouh. Les gars sonnaient comme personne. T'as carrément pris du Project Pat, t'as dit yo, t'étais bro, fini. Là. Yo, Project Pat, quand j'écoutais Project Pat pour le first time, je suis comme, mon gars. Non. Jusqu'aujourd'hui, c'est comme. Yo, mon Project Pat, c'est mon... L'influence est là, tu sais, les deux, on était des fans. L'influence est là. Ça a fait des flamèches qu'on a work ensemble, puis. Yeah, mon gars. Puis yo, j'ai toujours me rappelé, là, quand j'étais la première fois au show de Dice B. Il y a Nuit Blanche. Il m'a demandé c'est quoi tes influences. J'ai dit Project Pat. Là, il y a ri de moi, là, you know. Mm. Big shout out à Dice B. Mais tu connais Dice B, il était c'est peut-être ça. Plus boom bap, non, whatever. Ouais, c'est East Coast. Tu sais, quand je lui ai dit que mon compte, c'est Project Pat, il y a carrément ri, là. Mais parce que aussi, à l'époque aussi, le staff n'avait pas de respect nécessairement comme ça, là. Vous avez pas le respect. Les instrumentales, on n'arrêtait pas de dire, c'est pas des lyricistes. Les gens disent, it's country, it's from country. Where's Memphis? Where's that? Mais le South bumpait dans le South. Ça bumpait. C'était local. Mais il fallait que tu ailles à New York. Mais quand même, ils étaient riches, local. Si t'avais pas New York, t'étais pas sûr de faire. C'est quand ils sont devenus worldwide que là, ça a découvert sa partie. Le trap est apparu avec des Lil John pis tout ça. Yeah. C'est un dérivé, comme j'ai toujours dit.
Mais c'est ça, parce que moi, j'ai jamais été un gros gars de ce genre de musique-là. Ah non, tu manques quelque chose, mon gars, yo. Mais je l'entends dans votre musique. T'as fait un track, La Game est sale. Yeah. Produit par le chum. Classique, man. La Game est sale. La Game est sale. Attends, les cops dans le hood, ils flashent comme Jean-Marc Parent. Ils flashent les lumières comme Jean-Marc Parent, mon gars. Puis yo, ça c'est mon anthem, CDX TV. Exactement. Ça veut dire que la stamp. Ce beat là, c'est mon anthem à moi. Yo, big respect, mon gars, big respect. Mais yeah, yo, La Game est sale, c'est un classique jusqu'à maintenant. Elle a 15 ans aujourd'hui, 15 ans. Facile. Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui m'en parlent encore. Yo, ça c'est le track qui les a marqués. C'est le track. Ça me semble qu'il y avait un studio dans. À Parkex. Oui, c'est là. Big Bang. Big Bang. Big Bang. Yo, ça, c'était puis, ma deuxième que les gars de l'Est allaient là aussi. Yeah, Big Bang Studio. J'ai été quelques fois, effectivement, parce que j'avais un de mes amis qui enregistrait là-bas. Mais yo, t'avais à Big Bang Studio, CDX venait là. C'est là que la connexion s'est faite, ou comment t'as connecté, tu te rappelles? Avec CDX? Oui. CDX, on a connecté... je pense que c'est... Comment on a connecté? Pour de vrai, ça... Le premier track que j'ai fait avec CDX, c'était « Toujours crunk, jamais sob ». On l'a là. Exactement. Je pense qu'à travers les médias sociaux de ce temps-là, whatever, on a connecté. Mm-hmm. Parce que CDX, c'était un des gars dans ce temps-là qui faisait... Le seul. Un style avec comme nous. Ça à la de lui, ça avait. Non? C'est vrai, lui aussi, ça, comment qu'il rappelle, ça faisait... Non, mais l'affaire, c'est que... Ouais. Il a dit, le premier à avoir mis le Champion Show, j'avais entendu ça dans le track, puis je l'ai allé tout de suite. J'ai dit, non, t'es pas le premier champion, là. Ouais, je pense que c'est ça l'histoire, effectivement. T'as dit check rapide. J'ai dit, hey, chose, là, tu connais pas le chum, là? Je pense que le track, le check-moi pas, c'était pas sous ça, là. Après, on l'a invité direct, puis on a juste collaboré. OK. J'ai fait toujours crunk. J'ai donné son prop, j'ai dit, hey, viens, pull up, on vient faire un verse. Puis il l'a fait, puis c'est ça. On a connecté depuis ce temps-là. Toujours crunk, jamais sob. Ensuite de ça, à travers cette connexion-là, il a fait le vidéoclip de La Game Il a game fait sale, le clip, La le, Game et ça. Puis il l'a mis dans son CD. 2008, c'est une grosse année pour toi. Yeah. T'as apparu sur le rap Antichrist. Yeah, rap Antichrist avec le chum. Cyrano, c'est ça, il a même le nom et tout ça. Il aime les bougies. Il adore ça, il dit oh oui, c'est malgré je vénère, c'est les bougies. Puis... Malgré que j'ai beaucoup de love pour le chum. Avec ça, mais c'est vrai, vous mettez mon bail à Jack, je veux dire. Regarde toute l'énergie qu'il y avait. Ces bails-là, c'est pas ça. Quand t'allais chez lui, c'est comme s'il manquait juste genre les chauves-souris. Il y a le côté marketing. Il y a un côté marketing là-dedans. Ouais, c'est sûr. Les ténèbres. Ténèbres, l'alcool avec la tête de mort, là. Moi, c'est tête de mort stuff, mais tu sais, c'est le mal, on est tout le temps attiré vers le dark side dans vie ou pas. Tu sais, c'est juste un côté plus ténébreux que je mets en... Je suis un fan de films d'horreur, mais tu sais. Mais tu sais, t'es un artiste, fait que c'est trucs, ton droit. T'aimes pas les trucs glauques. Non. Mais tu sais, en tant qu'artiste, c'est... Tu sais, quand t'es mystérieux aussi, c'est nice, you know? Ouais. C'est un look, ça se vend bien. Des squelettes partout! Hey, en parlant de squelettes, tu peux-tu y montrer ce que j'ai amené? Yeah, vas-y, mon gars. Comme cadeau, il est juste là. La clé USB, bro. Yeah, vas-y, parle-nous ça. La collection de mort. 63 albums. Wow! C'est ma discographie. C'est en vente sur mon site. Les vrais fanatiques peuvent l'acheter. 100$. T'as... Plus de 1700 chansons. Wow. Et plus. Et 63 albums. That's me, là. Tu comprends? C'est fou, ça. Dans la carrière. 20 ans. Mais ça, tu la poses juste sur tes réseaux sociaux? Non, mais c'est, tu peux l'acheter sur mon site direct. www.lechum.com. Je vous le ship. Vous avez ça Prime, whatever. Mais tu sais, les CD disparaissent, les gars. Fait tu mets ça dans ton ordi ou dans ton char, puis... C'est vraiment nice, ça. C'est très smart. Mais c'est là qu'on s'en va. J'ai toujours respecté le chum pour ça. Il y a un bon sens marketing, des affaires. Côté hustle, le chum, c'est un des plus gros to ever do it. C'est un goat hustling rapper, beatmaker. Like, he's one of the machine, ones. Machine. C'est une machine. On n'arrête pas. Il est un goat dans qu'est-ce qu'il fait. Et voilà. Dans sa voix, lui. Je sais pas si c'est un compliment. Cyrano, là, avec le temps, les phobies, les titis, vous êtes pas prêts. Non, non, non. Cyrano, je le connais trop bien. Cyrano, I stay in my lane. Tu comprends? Je reste dans mon créneau.
T'es un gars dans ton lane. Non, mais tu sais, si t'es pas bon dans quelque chose, tu le fais pas. Ouais. Tu focuses sur dans quoi t'es bon. Donc, je vais pas aller faire du boom bap. J'en fais une coupe, mais c'est pas ma force. Je vais pas faire des beats West Coast. Non. Je vais rester dans les ténèbres. C'est ça. Et puis, c'est pour ça que c'est dur d'avoir un projet 100% produit par le chum. Ah, yo, parce que ça va tout sonner. Ah, non, mais yo, bro! Tu vois, c'est ça que j'ai dit! Vous avez célébré trop vite! Parce que il est dans ses ténèbres! Mais c'est tout un projet, le chum, aujourd'hui. C'est pas juste les ténèbres. Si à moi qu'on a sorti, là, c'est le chum au complet. Puis il y a deux tracks qui c'est KP, mais tout le reste, c'est le chum, là. Je fais du catchy, puis les ténèbres. Attends, va voir dans. Yo, si à moi, c'est. Ok, le beat Rockstar, c'est qui l'a fait? C'est le chum. De beat qui en somme l'a fait Marie, quand tu dis Marie-Jeanne, quelque chose. Oh non, ok, ça c'est le chum aussi. C'est toi aussi. Yeah, quand t'arrives et tu rap laid back dessus. Yeah, yeah. That's my favorite track sur l'album. Yeah, yo, respect. Tu vois, respect. Ça c'est pas une affaire. Ça sonne. South. Exactement. Même j'aurais dit c'est une affaire un peu West Coast, ben, kind of vibe là. Mais yeah, yeah, ben, c'est le. Check le drum. Tout est dans le drum. Je pense que le chum peut produire son album au complet sans nécessairement, comme tu dis, que ça sonne tout pareil. Mais non, parce que c'est pas le cas. All the way, là, c'est à nous. Moi, quand je choisis les beats de Chummy, puis j'essaie de varier la aussi. La que je vais mettre, là, c'est catchy, c'est Keten, même. Je fais des tracks Keten, là. Yeah. Ça, c'était Keten, là, que je vais mettre. Mais ça bonnier aussi dans le temps, catchy, là, je me rappelle. C'est catchy, Keten, reliché, tu comprends? C'est ça, faut être catchy, man. Mais aussi, quelque chose que je vais te donner aussi, c'est que t'as toujours été, je pourrais dire, une porte d'entrée pour les nouveaux artistes. Yeah. Ça qui était bon, oui. les stamps. Ça, on l'avait dit, t'es une bonne porte d'entrée. Le tremplin. Oui, c'est ça. J'aime propulser les gens. Après, Cyrano, qu'est-ce que t'allais dire? Continue. Les beats sont souvent slow aussi. Tu me rappelles slow. Attends. Non, mais comme je connais le trop même de Cyrano, les beats sont slow. Ouais, tu trouves? C'est des comptines pour endormir. Moi, ma musique, le gros. C'est très slow. C'est une boy. Mais lui, il avait déjà expliqué son style. Il veut que ses mots soient clairs, que tu comprennes tout ce qu'il dit. Tu fais la chaîne versante humaine, Kiki, en écoutant ça. Ouais, c'est. Non, mais c'est vrai que c'est très slow. Fait quand tu parles, quand vous rappez, c'est slow aussi. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est vrai, on comprend tout. Le chum, il est clair quand il rappe. On comprend chaque mot qui sort de ma bouche. Ça, il a toujours dit. Il veut qu'on comprenne tout. Puis il pas rimer pour rimer, Chris. Toi aussi, c'est comme ça, comme on comprend. C'est vrai, c'est clair parce que c'est slow. C'est sûr. Ok, j'ai une question à la Cyrano. Est-ce que les top rappers viennent te checker pour des beats? Ouais, ça dépend de qu'est-ce que tu veux dire par top rapper. Tu vois, regarde ça. Il est content! Ouais, mais. Il fait du Cyrano, il est content! Attends une minute. Les leads du rap game québécois. Les leads! Donne-moi des noms. Ah ouais. Parce que yo, nous, on est sur le. Ah, nous, on est, c'est Illuminati, hein. On a amené le son de Memphis au Québec. Tu sais, quand on est arrivé, il n'y a personne qui faisait des beats comme ça, là. Donc, tu sais, c'est un choix musical, c'est un choix qu'on fait en tant qu'artiste, mais c'est sûr que les top rappers, eux, sont peut-être pas fans du Memphis Sound comme nous, you know. Donc, tu sais, tout est relatif. Sur un album, un ou deux beats du chum, c'est bon, sur un album. Mais, je suis pas capable de me taper un album. Est-ce que t'as écouté le. Non, mais Kiki, il y en a 63 à écouter à soir. T'as 63 à soir. J'ai une 8 heures de deep meditation, le chummy chum. Put you to sleep. T'es con, mon gars. 70 de tempo. Est-ce que t'as écouté le Siamois, le projet? Mais oui, on l'écoutait aujourd'hui. Je l'ai écouté aujourd'hui toute la journée. Non, hier aussi. Non, la semaine dernière aussi, je l'ai écouté un peu. 98% c'est produit par le chum. Puis je pense que c'est vague. Quand même, là. Je sais. Il s'est endormi à moitié. C'est pas ça, mon frère. Non. Non, mais non, je l'ai écouté. Sûr, je l'ai écouté. Non, mais à la fin de Cyrano, c'est pas un gros fan de moi. C'est correct. Il n'y a pas besoin de m'aimer, tu sais. Mais tu sais, l'art, c'est comme ça, mon gars. Il y en a comme. Ce qui est fun, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Non, je respecte ce que. Non, je sais, oui. C'est comme ça, on s'en fout. Même si tu t'aimais pas ma musique, bro, ça changerait rien, je serais ici à te parler. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de collabos, parce qu'on le voit aussi sur la chanson sur l'avant-goût, volume 1. Ouais. Aussi. Ouais. Hey, il a fait ses recherches. Ta première apparition officielle, je pense. L'avant-goût, volume 1 Non. Mais comme qui t'a mis dans le mainstream. Mais non, parce que. Mais non, parce que. Mais tu es qui le recherchiste. Travail au noir, c'est sorti avant l'avant-goût ou c'est. Ben oui. C'était pas 2009, Travail au noir t'as raison. Non.
Non, Travano, il a raison. Je pense que c'est 2008-2009. Ouais. Non, ouais. 2007. 2007? Mais oui. Mais non, je pense 2008, pas. Je pense pas que l'avant-goût, là, que c'est. C'est dans le même temps. C'était dans le même. C'est quand il est rentré dans mais le team. C'est le sorti un peu plus tard, le Travano. Oui, j'étais comme un sort mouvant. Ça, c'était ton hype qui buildait up. Je poignais tous les gars, ils amenaient l'Internet, man. Ouais. Ça se peut très bien. Ils amenaient tout d'Internet. Ils ont tout converti. Le, des ténébreux. C'est ça, tu les as convertis au mal. Mais. Comme le. Fait que c'est venu. OK. C'est venu d'où le coup de coude? C'était quoi l'influence? C'est quoi l'influence? Je te laisse deviner. Non, mais je le sais. De... Toi, tu Totem Bowls? Excusez-moi, le c'est la danse. Cette année. Le... C'est la... Je sais que c'est la danse qu'on donne des coups de coude. Non, non. C'est ah, ouais, mon petit Simon. C'est pas tout ça qui donne des coups de coude. Okay, mais c'est du dancehall, dancehall, il y avait ouais, des chansons. Ouais, 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 parce que c'était Johnny Cage. Dans ce temps-là, non, non? Je donne des coups comme Johnny Cage. Oh, Mortal Kombat. Wow. Oh, je joue des bones comme Johnny Cage. Moi, je pense à Ludacris, là. OK. Non, mais c'est sorti avant, peut-être même Ludacris. Je suis pas sûr. Totem Bowls. Moi, je parlais de... Je suis pas sûr. Je parlais de Mortal Kombat. OK, OK. Je donne des coups comme Johnny Cage. OK, c'est OK, OK. Mais je pense que... Ça, c'est un gros track, le coup de coude. Donne des coups de coude. Avec ben, Baxter. Big oui, shout-out, Baxter. Yo, Baxter Dexter ah, qui oui, est sur joli, des coups de coude. Fait que t'es venu avec le hook en premier, ouais, puis ouais. Ensuite... Mais souvent, c'était ça. Le chum avait déjà le hook, fait le concept. Fallait que Cyrano se tape moins récal avant d'arriver à Baxter. Fait que t'sais... Je l'endormais, là. Il était con, mon gars. Mais ouais. C'était hype, man. Dans ce temps-là, j'étais plus, on était plus ouais, craqués. Ouais. Et Baxter était dans le top de son game dans mais ce temps-là, ça, c'était dans gars. Le temps avec des aides, là. Ouais. On a fait le gros truc avec des aides, puis c'était super hype. Il donne des coups de coude, ouais. Me semble, c'était sur ouais. MySpace, là, dans ce temps-là. Mm. C'était le temps MySpace, c'était man. C'était le temps MySpace. Ouais, c'était on vient de la même génération de rap. MySpace, yeah, yeah. Parce que les jeunes, ils connaissent pas ça. Ils connaissent juste pour les faire... They don't know the struggle. À l'époque, c'était quoi ce MySpace? They don't know the MySpace, les yo, jeunes. MySpace, Facebook existait même pas dans ce temps-là. C'est ça. C'était juste MySpace qu'on avait. Puis YouTube. Mais ouais. MySpace, on avait dans beaucoup fond. Plus de views dans ce temps-là parce que c'était inaccessible. Yeah. I mean? Ouais, ouais. Parce que yo, tu checkais les... Yo, on sortait des vidéos, on avait 5K views a day facile là, pendant... Ouais. Les streams sur MySpace bumpaient. Tout est descendu, tout est descendu. Là, c'est différent, c'est sûr. Mais yeah, donne des coups de coude, mon gars. Yo, c'est un gros track, ça. J'étais content d'être... Je l'ai bump bro, encore aujourd'hui. Moi, j'étais ouais. Un fan de Baxter. Donc, ouais. Baxter, là, c'est, pour moi, c'est son meilleur verse, là. C'est un gros verse qui a donné. Il a tué le verse qui a donné. Le verse. Moi, j'étais un fan de Baxter, donc j'étais très content d'être sur le même track que lui. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est une grosse collaboration, là. Yeah, dans le fond, t'as fait un featuring avec tous les gars. T'as Starkey, t'as ouais, CDX. Ouais, j'ai Starkey, j'ai CDX. J'ai juste Sarenzano que j'ai jamais fuck avec, je sais pas. Starkey, c'était à distance. Il était pas rencontré. Starkey, ouais. Parce que Sarenzano, c'est comme le gars de behind, ou whatever. Joual, man. Il chante plus cap que moi. Il est mais le Starkey Stark, il me semble, c'était à distance. Starkey Stark, c'est venu dans le ouais, studio. Dans le fond, on connaît pas Starkey Stark, ça. On l'a jamais rencontré. Non, mais Stark, c'est venu, mon gars. Il est bien gentil au téléphone. Non, non, non. Non, c'est lui, il connaît Stark. Starkey Stark, c'est venu. Chris, on a fait la vidéo qui a disparu, man. Tu as vu la vidéo, je suis sick. Ouais. Yeah, mais attends, Tommy. Starkey Stark, c'est venu, là, qu'on a fait le on featuring. L'a perdu. Il est venu chez toi. On a fait ouais, le. Donc, sur le featuring avec Stark, c'était live, là. Ah, t'étais là avec lui aussi. Stark, c'était venu me checker. You know, on a sip, on a fait le track. Puis, oh, big shout out on à on a fumé un bar au chase, puis on a fait par le contre, track live. Baxter, c'était à distance. C'était à distance. Yeah. OK, OK. Mais comment ça, le beat, le vidéo, il a disparu? C'était sur le compte de quelqu'un, puis son YouTube. Il a juste shut down. Ça m'a fait. Ça m'a peiné. Tu vois, c'était pas sur mon compte, donc. Mais c'est pourquoi ça vous avez arrive. Pas rempli le j'ai harcelé les gens, j'ai pas eu de réponse. Donc, je te fais, j'ai un clip bro, qui a disparu c'est... aussi que j'aimerais avoir. Puis... Yo, remets-le. C'est comme quand impossible. Tu vois, le compte c'est de quelqu'un d'autre. C'est comme impossible de le trouver. On n'a pas pu rip. De, avant qu'il parte. Demandez à la femme de la sonorité, va le trouver. Mais OK. Parce que ça, là, on parle peut-être de deux choses. Yeah. Je suis ça sick, ça, c'est gros classique. Le chum ça avec, fait mal au cœur, avec Starks. Mm-hmm. Ah, ça fait mal mais au cœur. Vidéo. Moi, ce que je te parle, c'est t'es pas à la hauteur dans mon mixtape Travail au Noir. Ça, ouais. C'est avec Starkey Starks mm-hmm. aussi. Oui, oui, oui. Et ça, cette chanson-là, il est venu chez le chum, you know? Pour okay, faire le. Ouais, ouais, t'es okay. pas à la hauteur, bro. Ça, c'est gros classique. Ouais, donc, ouais. C'est mon premier tip. J'ai CDX, j'ai Starkey Starks. Baxter, ça c'est sur le projet Outchami. Puis j'ai Wanted sur mon deuxième projet. Oh shit! Sur le rêve américain. Yeah. Le premier track qu'on a fait, c'est Soul le Glow. Le recherché maintenant. Soul Glow. Il y a Soul Glow aussi. Non, c'est le premier track qu'on a fait de toi et à vie. Soul oh Glow. Oui, Soul Glow.
Yo, parce que yo, comme... ça vient d'un presse à New York. Yeah, mon gars. On a samplé le... Il m'a amené le sample, mais tu fais moi un beat avec ça. Yeah, yeah. J'ai yo. Fait live, on a fait Soul Glow. Après Soul Glow. On a fait le remix après avec CDX, l'intrus. Ouais, Soul Glow remix, c'est vrai. Ouais, CDX était dessus aussi. Parce que moi, je suis un gros fan de Eddie Murphy. J'ai même toute sa collection. Classique, là. Mon gars. J'ai classique. Toute sa collection de films, yo. Toutes les stand-up. Ben ouais. Le meilleur stand-up à vie pour moi, c'est Delirious. Yeah. Delirious. Big shout out Eddie Murphy. It's the best stand-up. So, en parlant de Soul Glow, messieurs, j'ai un petit cadeau pour vous aussi. Yeah, ah ouais, on va voir le crossover. Attendez un instant, je vais vous amener ça, mon gars. Ouais, va falloir que tu te fasses pousser une barbe, par exemple. Ça, c'est le une Soul Glow pour barbe, you know. Yeah. Donc, j'en ai un pour. Plus, j'ai pas faire ma chasse demain en plus. Un pour Kéké. Ah ouais. Donc, j'aurais pas le choix de pousser une barbe avec ça, monsieur. Yeah. Ah ouais. You know? Donc, les ça, gars, c'est encore une fois. Je peux vous en vendre, hein. Je fais pas trop ça, ça cher. Ça, c'est le Soul Glow pour barbe, you know. Donc, la barbe va être swell, elle va être clean. De quoi rendre Randy Watson jaloux. De quoi rendre Daryl et toute sa famille jaloux. Donc, ça, c'est mon bro qui fait ça. C'est mon bro Emmanuel David Solage. Donc, Kéké va aimer ça. Ça, c'est For Us, By Us. Non, c'est tu Black comprends déjà you le know. Moto, bro. Donc, c'est. Hey, c'est okay. Yeah, yeah. Donc, dans le fond, t'as le shampoing pour la barbe. Le shampoing, en plus. T'as le balm. Puis, t'as l'huile aussi. Donc, le shampoing, le petit shampoing pour les bases aussi, le plus petit en bas. Ça, là. C'est non, l'huile. Ça, il n'y a pas ça par contre. Ça, c'est l'huile pour la barbe, exactement. Il a dit shampoing de base. Pour les soies des bases. Non, écoute excellent. Pas, c'est excellent pour les soies des bases. Dans le fond, ça s'appelle, monsieur. Ça s'appelle Successful Care, you know. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est le balm. For Us by donc, Us. Une fois que tu as passé l'huile, qu'on pas donné tu passes le balm pour que la barbe reste. Black Touch, For Us by Us. T'es métis avec le temps. Tu limites. C'est intéressant, ok, c'est cool ça. Yeah, yeah, ça c'est mon bro, c'est mon bro qui fait ça, you know. Ouais. Emmanuel David Solage. Donc, okay. Non, mais je te dis, ça fait briller la barbe, bro. Puis tu sais, qu'est-ce qui est nice avec ça, monsieur? Parce que souvent, parce que lui, il a remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de produits pour la barbe pour les blacks, you know. Mm-hmm. Donc, il a parti ça. Ça sent bon, c'est mais vegan oui, aussi. Ça sent super bon, là. Donc, ceux qui sont pour la protection des animaux vont être contents. Puis encore une fois, c'est black owned, you know. Donc, c'est Successful Care. Mon bro Emmanuel David Solage, donc allez checker ça. Ouais. Checker Success ça. Successfulcare.com. Leguez-le, ça va apparaître dans le bas. Thank you. Donc, thank you. Shout out, shout out. Hey, c'est la nôtre, après je vais pousser la barbe. On est gâtés aujourd'hui. Ouais, là, j'ai un petit pinch, mais ouais, c'est vrai, je prêche. Toi, t'as pas de barbe comme ça, toi. Non, j'ai acheté parce que ça pousse pas bien. Ah non, mais c'est correct. Mais avec ça, là, mon gars. Kiki, tu me le donneras après le show. Tu mets ça, Cyrano. J'ai plus besoin que toi. Tu vas avoir une barbe à la Rick Ross, là. Ah ouais? Hein, ah non, ça c'est sûr, je le garde là. Ça devrait être de tenter, mais tu serais beau avec une longue barbe. C'est ça, ça serait t'as pas cool, vu comment Drake a eu des formes avec ça? Tu devrais sauter. Yo, la ça, barbe, man. Le gros man, c'est un nid de bébite, man. C'est que notre tu te promènes c'est sur ton c'est menton à chaque jour. T'as un nid de bébite, man, d'en face tout le temps. Il y a 24 heures sur 24. Il y a plein de. Il y a de la bouffe qui reste poignée. Ouais, il y a plein de microbes dans. Hey, c'est un nid de germe, man, puis on laisse pousser ça, les gars. Les formes, ils aiment ça, là. Ouais, quand t'as fini de manger. Ah, ok. C'est ça, t'as tout le juice. Ah, ok. Yeah, yeah, so yo, successful care, mais you know. Mais tu barres pas comme moi. Dès que tu mets ça, mon gars, tu te sens successful. Bravo, comme le dit. Ouais, tu t'attires plus les femmes. Yeah, yeah, bravo, mon gars, hein. C'est so, comme yeah, ça te donne un... Pis yo, ils aiment ça. Parce que vu qu'on est dans les cadeaux, je vais donner l'autre tout de suite aussi. Yeah, ok, yeah, cadeau. Ok, yeah, okay. Yeah. Tu vas rendre ça difficile pour... La barre est haute. Shit. Donc... Ça, c'est mon thing, you know, à moi. Ça, guys, ça, c'est un gâteau, un cheesecake, dans le fond, lime et avocat. Donc, pendant la COVID, je m'ennuyais, je savais pas quoi faire, you c'est know. Devenu un cook. Donc là, yeah, yeah, c'est Rec Boyardi, mon gars, you know. Rec Boyardi. Donc, cheesecake, lime et avocat, you know, fait par moi. Yo, j'en ai vendu... comme ça, je peux pas, mon gars. Quand j'ai sorti ça, j'ai sorti pour le fun, je m'attendais pas que ça bombe. Mais trust me, j'en ai vendu des centaines... Yo, j'ai arrêté de compter. Donc. À vendre des ça, sacs, à toi. Vendre des tartes. Mais yo. Wow. Ah, je l'ai donné. Puis trust me, mon gars, hey, fume tu fumes bon. Un bon gelato avant ça. Puis yo, tu le manges en merci en beaucoup, minutes, bro. Mais c'est où t'as pris cette recette-là? Ben, en toute franchise, mon gars. Les YouTube tutoriels. C'est ça? Yeah, non, je cherchais. J'avais des limes, j'avais des avocats, je cherchais une recette. Je suis tombé là-dessus, mon gars, you know. J'ai mis mon twist, you know, dedans. Tu le vends où? Ben, ça, dans le fond, j'ai c'est quoi son twist ma dedans? Page Facebook, là. C'est, ça s'appelle Zest to Impress.
On est dans les agrumes, mon gars. Eh oui. Citrus. Donc bientôt là, ça va être les chicken wings, lemon pepper. Ah ouais. Donc j'ai plus salé que sucré. Tout est à base d'agrumes, mon gars. Cyrano, tu peux prendre une bouchée live. C'est zestaculaire, mon gars. Non, ça va être pour Patreon. Ils sont aussi glacés aussi, ils sont encore froids aussi. Ça va vraiment d'un bon, bro. Yeah yeah, man. Non, trust me, c'est très bon, maintenant. Je sais que les gars aiment bien manger. Fait que là, les prochains invités, prenez des notes, là. Vous venez pas avec un wave cap, là. C'est ça, là. Comprends, parce qu'on nous donne... Explosion de saveur dans la bouche. Yeah. Ça, c'est nice, technique, bro. Ça, c'est nice. Yeah, yeah. J'apprécie ça. Ça, j'aime ça. Merci, messieurs. Mais avant d'aller sur ça, je vais continuer quand même sur l'histoire. Parce que t'as fait une apparence sur une chanson avec Rakaï. Yeah, Rakaï, yeah. Yeah, big shout out à Rakaï, you know. Comment ça s'est fait, ça? Rakaï, c'est parce qu'on joue au basket ensemble. Mm. On joue au basket ensemble à... Shout out Rakaï. À Lucien Pagé. Il était bon. Yeah, était on joue au basket ensemble. On se connaissait à travers le basket puis à travers un autre de mes bros. Puis il l'avait amené un moment donné. Puis... Exactement, quand j'ai dit que... Puis je l'ai aspiré d'un ténèbre avec. So, c'est ça. C'est toujours comme ça que ça passe. On les a tous aspirés, man. Je l'ai invité chez le Yo, chum. Yo, I'm the black hole. On a fait le trou noir. That's it, yeah. So, yeah, Rakaï, big shout-out, man. Puis tu sors, t'es plus jamais le même. Parce que moi, d'après... Marqué au fer. J'ai envie que c'est un personnage, non, j'adore ça. Marqué au fer, man, de style. Comme mes cochons. Mais d'après l'ordre chronologique, c'est là que t'as sorti Travail au Noir avec CDX, Strike X, Player 8. Yeah, ça m'a exactement. Il y avait tous ces gars-là dessus. Big shout out au DZ, l'intrus encore C'est toujours Player disponible. Ouais. Travail au Noir, c'est un classique, mon gars. Allez, c'est plateforme, il est partout. Tu peux écouter, je pense, Travail au Noir en 2022. Je l'ai en physique. Je l'ai en physique, les gars, si vous le voulez, même. Mm-hmm. Je l'ai en physique, man. Ça prend la poussière. Fait qu'aidez-moi, faut vendre les CD, man. Ça n'existera plus bientôt. Ben, ça déjà, ça. C'est ça que j'amène les clés USB puis les plateformes, bro. Le monde sont sur leur téléphone, man. C'est vrai. Et puis ensuite, t'étais sur l'avant-goût volume 2. Yeah, l'avant-goût. Sûrement le 1 ça, jusqu'au. C'est 2002. Le 1 jusqu'au 42. 2009, je ça c'est 2009. Yeah, on est encore dans cette période effectivement. C'est Et rentres-tu bien, hein? Fait que, ensuite, c'est là qu'il y a, il y a eu une pause. Mm-hmm. Jusqu'en 2012, t'as sorti... Le rêve américain. Le rêve américain. Yeah, yeah. T'avais une grosse liste de featuring. Je vais lire les featuring. Vas-y. Tug One, CDX, Feezy, Silverback, Young Mike, Jean R, Johnny B. Hood. Yo, attends. Yeah, yeah. Fait que Silverback, je le connais d'où? Parce que lui, il était One Time. Silverback, j'ai rencontré à cause de Feezy. Ok, après, ouais, c'est ça, Feezy, c'est one time. Exactement. Ok. Feezy m'a introduit à Silverback. Young Mike, je connais le nom. Ça, c'est dans Funk Project. Funk Project, c'est avec Jean-R, c'est ça. Mais Young Mike, il rappe en anglais là. Il rappe en anglais, ouais. Ouais, ouais. Je pense qu'il s'appelle encore Young Mike, je crois. Jean-R, Jean-R était bon. C'est à travers Jean-R. Il produit encore. Ouais. Yo, tu sais que Jean-R, bro, j'ai failli. Quasiment sign avec Jean R. Si tu vas sur YouTube, il y a un freestyle qui s'appelle Cake sur le beat de Lloyd Banks. Ouais, ouais, ouais. Puis j'ai enregistré ça chez Jean R. en joue. Ah ouais? Yeah, yeah. Ouais, j'ai dit, yo, pour de vrai, Jean R, c'est là que j'ai rencontré Rain Man. Oui, ce beat-là, je me rappelle. J'ai enregistré une chanson avec Rain Man, Jackpot, shout out Nexayo. Mm-hmm. Moi, Jackpot, Rain Man, j'ai rencontré, c'est à travers Jean R. Ça s'est fait à Anjou. Quelle année, ça? 2006. Non, pas encore, mon gars. Yeah, man. Tu faisais tes affaires. Yeah. C'est ça, t'as fait tout ça sans moi, là. yeah, mon gars. So, et Johnny B. Hood, ça c'est. Ouais, je me rappelle de lui. Ça c'était dans le temps. Johnny B. Hood, on a travaillé. Il venait de Québec, non? Il venait de Québec. C'était un gars de Québec à des maisons à Montréal. Il était venu, puis on avait. Il habitait à Parkex. On avait fait plein de work à Montréal, ouais. On avait fait plein de work back then. Big shout out à Johnny B. Hood, non? Ouais, il était sérieux, lui. Fait que ça, c'était dans le temps. Fait que c'est pas nouveau que les gars de Québec déménagent à Montréal. Depuis back then, les gars, ils ont vu la Mecca. C'était la Mecque du rap. Ah ouais. Puis Tug One aussi, on s'entend que lui, dans yo, son guys, style, à Laval, big, c'est lui big qui shout-out à Tug One. Je pense qu'on donne pas assez de shout-out à Tug One pour avoir rap Laval since back then. C'est ça qui... I don't like. C'est vrai, c'est un des premiers. Les gens, ils ont dit comme si c'était comme... Quand on entendait Laval, il y avait pas d'autre nom que Tug One. Yeah. There you go. Mais ça, il sait, c'est juste, tu sais...
C'est les jeunes qui doivent savoir ça que Tog One, c'est le originator du mouvement de la balle. Il reste underground. C'est un gars comme moi, il aime ça rester underground. Ben oui, il reste dans son lane. Je pense qu'un gars comme ça, il n'a pas besoin de... Il est bon. Il va sortir ses vidéos quand il veut sortir les vidéos. Moi, il est dans mon top 10 ici. Tog One, yo, d'ailleurs. Tog One, tu sais, moi... C'est qui le ton top 10? On veut le savoir. J'ai toujours aimé les gars qui chantent différemment. Je te l'ai dit en introduction. Puis Tog One, bro, il n'y avait personne qui sonnait comme Tog One. Il y en avoir qu'un. Ouais. CDX, c'était la même chose. Si quelqu'un dit tu ressembles à tel type, ta job n'est pas bien faite. Si quelqu'un dit ton flow ressemble à tel type, tu ne l'as pas fait. C'est ça, là. T'es pas un originator. Tog One, il a put on pour le Laval. Il a put on pour Laval, real talk. Nous autres, c'est ça, on travaille juste avec ceux qu'on aime, puis, tu sais, il n'y a pas de writing notes à personne, on travaille avec ceux qu'on veut, puis on a toujours fait ça. Puis mais tu restes quand même avec les gars de ton coin. Oui, mais tu sais, c'est comme... Avec ceux qu'on veut, mais toi, t'es un gars... Non, mais tu me disais... Don't get it twisted, le chum, c'est un gars très rude, c'est très... You know, mais he still got that side... Toi, t'es un gars, tu restes avec les gens que tu connais. Ben, on reste dans le cercle de confort. C'est ça, c'est ça. Dans la zone de confort. Puis l'affaire, c'est que les gars, ils m'approchent pas, mais c'est pas nécessairement des gars que je veux travailler avec, comme t'as dit tantôt. Là, comment ils appelaient ça, les... Les, à la relève, les nouveaux. Non, les pros, les pros. Les... Ah ouais, donc moi j'avais dit. Comment les deux se rappent jeu, c'est des élites. Les illuminés ne t'approchent pas. Non, mais écoute. Avec cet argent de subvention. Oui, s'il y a des subventions, je suis down. Ça me donne quatre feuilles du beat pour un producteur, bro. I'm good. Je l'ai fait. Les subventions, c'est correct. Mais tu sais, les gars, les subventions, ils vont garder ça dans le mini-cercle. Là. Ouais, c'est sûr. Yeah. Tu sais. Non, mais c'est bon de marcher c'est tellement rare qu'on a, bro. Je vais te le prendre de 400 pièces sur le beat, là. On est au Québec, le gros. Moi aussi, on vient d'une autre époque aussi. C'est vraiment maintenant que tu vas avoir un beat ou un vidéo ou un show où est-ce qu'il y a des gros chèques comme ça. Avant, c'était vraiment tu le fais, puis il fallait que tu puisses avoir la constance. Tu pray que you make it, puis que tu aies de l'argent back, là. Bienvenue à notre deuxième chaîne YouTube, Rapolitique TV, pour tout le contenu inédit, juste pour vous. Contenu exclusif et les highlights. Les behind the scenes avec vos artistes favoris. On travaille sur une émission qui s'appelle Dans l'aile. Si vous aimez la musique et la bouffe, ne ratez pas cette émission-là. On va se permettre d'expérimenter, pas toutes vous saturer sur une chaîne, on préfère le séparer en deux, fait qu'assurez-vous, si vous êtes des vrais rapoliticiens et rapoliticiennes, de vous abonner sur cette chaîne dès aujourd'hui. Ne ratez pas la nouvelle vague Rapolitique TV. Puis on va finir avec l'histoire avant d'aller sur les vrais shows. On parle de tout et de rien. On va finir l'histoire et ensuite on va rentrer dans les vrais. Pourquoi ça va être vrai? Point. Ça va être vrai dans quelques instants. C'est Roy Knox qui dit ça. Ces choses vont devenir. Alors, ce vrai blanc fait les vraies choses. Ça fit aussi. Ça n'a pas dû m'amener. C'est ça qu'il va dire. Il a fit aussi sur l'album Performant de Wanted. Yeah, ben dans le fond, le track Autoroute 40 était sur. Le rêve américain. Il y a tout chez nous, ça, back then. Ah ouais? Je l'aimais, Wanted. Ah ouais, je m'étais occupé de toutes ces affaires. Il était fort. Il est fort. Il y en a pas un qui sonne comme lui, man. Ouais. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fit avec. Comme je vous dis, c'est ça que j'aime quand je fais des feats. Mais ben dans le fond, le beat était sur mon projet, Le rêve américain. Puis on l'a mis ces deux. On a mis sur l'album à Wanted aussi. Tu sais, tu fais un track, puis il se retrouve sur aimerait un projet de Wanted. On aimerait au moins un petit EP, s'il peut, au pire, de 5-6 tracks. Juste, you know, pour reviens. Les films. Mais même un single films, à la base aussi avant de... Dans mon top 10, by the way. Ah ouais, hein? Wanted est fort. Jusqu'à présent, il est fort. Ceux qui savent... Puis il y a un gars de notre époque aussi, là, you know. Yeah, je le sais, j'étais surpris, mon gars, je vais pas le dire, là, mais... Wanted, c'est un gars de Tree Six aussi. J'ai entendu la voix, puis j'ai... Wanted, c'est un gars ténébreux, mais là. Je l'ai aspiré, lui aussi, de ténèbres. J'étais comme, waouh. The black puis de 2012 à aujourd'hui, il y avait t'as rien de drop. Bro, ça a pris 10. Ben non, j'ai sorti des trucs. Hey, je t'ai placé dans toutes mes 52 projets. Exactement, mais OK, des featuring. Exactement, par-ci par-là, exactement, rien de pas d'officiel, de vidéo clip, rien d'officiel, tu sais, des petits beats dans le temps, c'était quoi? Soundclick ouais. Ou j'ai oublié l'autre SoundCloud, etc. Ouais. Mais
pendant 10 ans, bro, à part là qu'on a sorti Si à moi. Mm-hmm. Mais effectivement, il n'y a rien de... Il y a un gros break. Il y a un gros break, mon gars. Mais t'es arrivé comme... Tu avais les rêves de manger sur ça, parce qu'il y a des jeunes qui mangent sur ça aujourd'hui. Puis toi, t'as vu aussi comme c'est beaucoup d'investissement, mm-hmm. puis le retour est pas aussi... T'aimes l'esclavage, mon jeune? Enrôle-toi dans le rap game, man. Ça va bien aller. T'amènes un bon point, Cyrano, man. Même maintenant, c'est encore plus d'investissement. Parce que back then, tu pouvais sortir un projet, sortir 3 singles, rouler ça sur 1 an. Maintenant, il faut que toutes les tracks t'aient un clip, maintenant. Mais c'est sûr que, bro, j'avais des rêves dans le temps. Ils l'ont eu facile. Mais comme plusieurs artistes, mon gars, tu sais... Ils connaîtront pas le struggle, man, de vendre ça, man. On avait pas de plateforme, le gros. La vie de famille, tu sais, il y a plein de choses qui rentrent en considération. Tout à l'été, Timoun, tout de bail. Non, j'ai pas de kid encore, you know, mais... Tu sais, j'avais une femme qui avait des enfants, you know. Ça change rien, j'en ai 8 enfants, je fais des beats encore. Mais... Tout ça pour dire que la vie te hit avec des choses. Donc, c'est pour ça que... Mais malgré ça, je sortais des trucs quand même. Il a tout le temps resté... J'ai jamais disparu vraiment. Non. Je l'aspirais une fois de temps en temps sur les projets. On aspirait d'être ténèbres. Il faisait le track. Parce que pour moi, c'est comme faire des mots croisés, mon gars. Non? Donc, j'aime ça, créer de quoi, voir le résultat. Mais comme Cyrano dit, à un moment donné, les bills doivent se faire payer. Puis, c'est un choix qu'on fait, mais ceux qui n'ont pas lâché, man, c'est maintenant que ça paie aussi. You know? Question par rapport, mais ta mère a déjà rencontré le chum? Ma mère, non. Bon, là, il va aller des affaires glauques encore. J'ai rencontré les parents du chum. Tu tiens avec ce genre de garçon? Fils du diable! Mais... Fait que ta mère l'a jamais rencontré. Non, ma mère a jamais rencontré le chum. Pourquoi? Hey, il m'adore, les maïciens, arrête là. Non, parce que pourquoi se poser la question? Il pogne un 2 minutes, mais charmant. Parce que t'as rien avec ton sou. Avec ton sou de Daddy Biassi qui vient du Nigeria. Puis t'as rien avec le patin qui arrive de des limbes. Non, mais le chum est charmant. T'arrives de la GN. Une fois qu'il ouvre sa bouche, il est limbe. C'est un vendeur. Fait qu'une fois qu'il ouvre sa bouche, t'es comme, OK, il est chill, OK, tout le monde l'aime. Moi, je peux vendre la neige aux Esquimaux, bro. C'est ça le deal. Mais pourquoi tu poses la question si ma mère a déjà rencontré le chum? Like, you ain't close like that. Non, je suis curieux parce que tu es né en Haïti. Yeah. Fait que toi. Non, c'est lui qui venait chez nous. Lui venait chez nous, mes parents le voyaient. Avec surtout les OG haïtiens, ça juge beaucoup. Les haïtiens, c'est des gros gens. C'est comme les Européens. Ça, les gars, comme ça juge beaucoup. Il pogne un 2 secondes en me voyant, mais après, dès que j'ouvre ma bouche, il tombe sur le charme. Ouais, ça, c'est vrai. Mais vas-y. C'est ça. Ah, tu parles par rapport aux têtes de mort, des choses comme ça. Tu viens d'Haïti en plus. T'es né l'autre bord, fait que toi c'est encore plus deep, fait que parce que les Haïtiens c'est ça vraiment beaucoup. Pas ça, hein, les... Mais en toute franchise, ma mère a jamais suivi ma prochain exercice, là, ma carrière de jouer prêtre, man. Ben non, the story makes sense, il never met his mom. Fait comme c'est mais ma mère a jamais suivi ma carrière de rap. Pas... Elle sait que je rappe. Viens, mais elle a pas regardé la vidéo. Viens. Elle a pas regardé la vidéo de toi sur YouTube et tout. Non, peut-être la game est sale, you know, mais non. Moi, ma mère est dans mon Facebook. Elle doit être fière de moi. Parce que t'as pas en fait. That's because you didn't make enough noise. Si ta mère a pas encore vu les clips, elle a pas entendu parler. Il faisait du bruit. Non, mais ma mère est pas internet comme ça. En plus, on parle d'internet back then, là aussi. Là. Puis c'est bio, comme tu dis, c'est back then, là, c'était pas comme maintenant. Pas de 2000. Ma mère sait que je rappe. Yeah. Mais j'ai jamais. Je gardais ça pour moi. Elle a jamais vu ma face de fini, c'est ça que tu veux savoir. C'était ça la question, dans le fond. Ouais. Tes points de vue musique, j'ai. Elle m'a jamais vu. Mais, man. C'est là, jamais. J'ai jamais. J'ai gardé ça pour moi, ok, mais j'ai jamais fait écouter vraiment. Puis, non, parce que c'est pas comme si t'avais. C'est sûr, si c'était rentable à ce point-là, oui, elle aurait su, là, tu serais comme Yoma, check, le bag que j'ai reçu. On parle à l'époque aussi, il faut être réaliste. On le faisait parce qu'on aimait ça, bro. Mais tu sais, en toute franchise, Cyrano, avec les sujets que j'abordais dans mes chansons, je suis pas sûr que je voulais faire écouter ça à ma mère non plus. Non, aussi, là. En toute honnêteté. Ah, j'ai jamais fait ma mère écouter, mais she heard about it. Yeah. Elle m'a déjà compté. J'ai fait écouter les tracks. Mais là, Cyrano, tu vas pouvoir prêter la clé à ta mère, là, quand elle m'écoute, là. Le 63 albums, une torture. 1700 tracks de comptine. Ta méditation. 8 heures straight. Mais tu sais, sinon, le chum, j'ai jamais vu ça comme ça. Là. Je sais que, you know, je vois pas ça comme diabolique, whatever, you know what I mean. Non, il est pas. Quand tu le parles, tu vois qu'il y a une tête sur les épaules. Il est juste un antichrist. Tu comprends? C'est son approche en tant qu'artiste, you know. Mais.
C'est ça l'affaire quand tu fais. T'as fait plein de tatous, mais là, t'en as couvert. C'est ton ça, bras, là, t'es rendu un reptilien. Tu l'as couvert. Là, t'es devenu reptile dans le pourquoi t'as couvert? C'est ça, vas-y. On va en parler ça, de c'est... ça. Ah, c'est vraiment à cause que j'aimais plus mes vieux tatous. C'est juste ça, là. C'est parce que ça a été fait il y a 20 ans, man. J'étais tanné des voir, puis j'ai essayé quelques cochonneries, puis là, j'ai dit, je vais all blacker. Mais fucking couvrir tout ça, c'est pas une aiguille, là. Non, 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 c'est les grosses affaires, 150 aiguilles, là. Ils appellent ça du brutal black, là. Ça fait super mal, là. 150 aiguilles en même temps qui rentrent, là? Qui rentrent. Ça fait des grosses pattes, là. Shit. Pas le choix, parce que ça prend. T'imagines le temps que ça prendrait avec une petite aiguille, gros? Fait que t'as fait ça pendant combien de temps? One shot? Ou... Non, 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 à date, c'est genre deux sessions, là. Tu le fais jusqu'à temps que tu t'abandonnes, oh bro. Oh my God! Mais c'était pas plus facile d'aller dans un endroit où c'était pour effacer. Non, non. Enlever, ça fait 20 fois plus mal, puis c'est quand même cher. Ah ouais, hein? Ça fait plus c'est mal. C'est au laser. Ah ouais, t'en sors un reptilien. Non, mais vous allez voir. Hein? Après, je vais mettre du blanc sur du noir. That's ok, là, tu vas redevenir blanc. De langue blanche. Non, mais subtil. Tu vas faire du white face. Subtil. Cool. Ouais, je vais faire des white face partout. Sur du blanc. Je vais faire des blancs qui se tiennent la main dans des champs de maïs, le gros. Mais ça fait mal, hein? Ça fait fucking mal. Ça fait vraiment mal. Non, c'est fou, ça. Ça fait vraiment mal, mais vous allez voir le résultat, là. C'est un peu bizarre, mais le blanc va arriver, puis c'est ça, man. Yo, c'est de la boucherie, man. Yo, chaque seconde est un calvaire. You gotta keep it real, you know? Si, ça fait mal. Est-ce que t'es addict? Ça fait mal, bro. Si quelqu'un te dit, oui, je suis addict. T'es addict au. Gars, je cover up l'autre aussi. Gars, ça, tu vas aimer ça, man. C'est un piece non, mais super il est diabolique, là. Il est beau. Yeah. Mais pourquoi tu le cover? Non, mais c'est mes vieux tatous, même chose. Je vais tout mais cover comment up. Tu peux avoir des. Mais ok, mais comment tu vas faire des nouveaux tatous? Fait que dans le fond, tu vas. Par-dessus. Tout... Regarde. Tu le vois ici, comment c'est plus foncé? Il a la tête, là. Non, mais ça paraît quand même bien, là. Oui, mais je vais tout faire ça. Ça, c'est nouveau par-dessus du vieux. Ah, ça, c'est un nouveau it. Par-dessus du vieux, OK, ça, OK. Ça, puis ça, c'est, ces deux-là, c'est du nouveau par-dessus du vieux, okay, tu le vois, là. OK, ouais, ouais, dans le temps, c'était des vieilles pistonques, là, pas foncées, là, qui tournaient de même en guérissant, fait que je vais tout faire par-dessus. Hey, ça a 20 ans, ça, fait que je suis tanné, je veux me repimpe. No year, no body, no tattoo, it's a new me. Yeah. Mais je suis là en dessous de ton oeil la dernière fois que t'étais venu. T'étais tu l'avais pas. J'en ai tellement plus, là, yo. T'avais pas tout ça, là, la dernière fois que t'es venu. Ouais, il avait pas tout ça la dernière fois qu'il est venu. Yo, il manque de non, place, j'en, là. Bientôt, j'en ai beaucoup là. Plus. J'en ai beaucoup plus, là. Que la dernière fois que t'es ben venu. Ben oui, man. Ah non, les gars, j'ai fini. Il était déjà venu tatted up quand il est venu. Il était oui, comme. J'ai fini. Non, t'étais comme yo, c'est sûr qu'il n'y a plus de space, le gars. Mais, il mais, fini, mais ça te fait quoi quand tu tatoues comme ça? Est-ce que c'est thérapeutique? C'est thérapeutique. Tu veux exprimer quelque chose? Oui, comme, mais quoi? C'est. Ceux qui ont des tatoues, là, vous n'avez pas, mais c'est. Moi, j'en ai. Une petite cochonnerie, là, c'est bon. Et ta gueule, man. Une petite cochonnerie qui paraît là. Non, non, mais c'est pour. On est presque une manche, là. On est des marginales, c'est pour ça. Ouais. C'est le marginal en nous. On est des petits bums de la société. On n'aime pas être dans le moule. Puis on sort, puis c'est pour nous. Mais moi, tu vois, moi, les tats, c'est une façon pour moi. Moi, je suis allé deep, là. Moi, je suis allé deep, là. De m'exprimer. Ouais, non, lui est allé deep, là. Check pour toi, man, les cornes. Ouais, la corne et tout. Ok, lui est boosté, j'avais pas vu la corne. En dessous ton œil, ça veut dire quoi? La flèche qui va sur ton œil? C'est une flèche. C'est une flèche, ça va où, ça? C'est une flèche, le gros. C'est une flèche qui te traverse l'œil. Oh shit, ça a commencé sous ta paupière, sur ta paupière. Ok, t'as tatoué ta paupière. Shit, j'avais pas vu celui-là. Shit! Toi, t'es un fou, mon gars. Le chummy, là. Yo, ça a dû faire mal, bro. La boucherie, man, yo. Paupière, est-ce que c'est un des spots qui fait le plus mal selon toi? Ouais, tu penses que ton œil va percer. C'est vraiment un feeling. Puis il faut que le gars soit expérimenté. C'est vraiment. Je l'ai fait, là. Et toi, t'es gangster, toi, mon gars. Mais c'est une flèche qui sort de l'œil, man. Yo, moi, je suis un barbare, man. J'ai. Trailer. Ça vient des entrailles! Mais tu le fais sur des coups de tête comme. Non. Tout veut dire de quoi, tu sais. Je vais pas commencer à. Ok, tout décrire, mais je veux pas t'aspirer dans les ténèbres, là. Puis pas les téléspectateurs aussi, là. Puis, au-dessus de ton menton aussi, ça. J'ai fait ici. Money talk. Ok. Parce que à chaque fois que j'ouvre ma bouche, ça me donne de l'argent back. Yeah, les drums sont ouf. J'ai oublié c'est quoi ta nationalité? Moi je suis serbe! Non, il était pas portugais. Il était un mélange. Il est serbe! C'est un serbe, David! Il est de la Serbie! Je pense qu'il était italien, québécois. La première fois! C'est comme italien, québécois, portugais. Ah, je suis un mélangé. Libanais. Ouais, je pense que c'est ça, il y a des Libanais. J'ai 40% Libanais.
J'ai italien aussi, comme tu dis, hispanique même, puis Irish. Mais t'es pas adopté? Non, 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 non. T'as grandi avec tes parents? Ouais. Oh, ouais, mon père, c'est le côté arabe, méditerranéen. Ma mère, c'est Irish, québécoise. Ils sont toujours ensemble aujourd'hui? Non, mon père est décédé last year. Rest in peace. Pops. Ouais, ça s'est passé super vite, bang bang, il a rien vu venir, mais tu sais. Ah ouais, avec la COVID et tout? Ou? Pendant ce temps-là, là, c'était. Okay. Ouais, fait que tu sais, ça s'est passé vite, puis pas souffert, là, il y a juste la mom qui est encore en vie. Puis ouais, j'ai une petite famille, vraiment petit, puis c'est ça. Anyway, là, j'aime pas ça, ça devient négatif, ça devient down. Non, mais récale. Là, ça renforce. Tu vois, c'est l'atmosphère. Toi, t'es un enfant unique, mais est-ce que t'as une grande famille ici à Montréal ou t'as pas vraiment de famille ici? Ben, dans le fond. Son père, c'est un petit lapin, man. Il pourrait tout ce qu'il j'ai fait. Tu sais quoi, il est délabré, frère. Il y a 20 enfants. Ouais, ben oui. Il y a 20 frères et sœurs. Dans le fond, mon père a d'autres enfants, effectivement. T'sais, au début, un moment donné, on a essayé de connecter, mais j'étais plus jeune. J'étais comme, C'était comme forcé. Mais comme pour Noël, en grandissant, c'était pas juste toi et ta mère. T'allais... Ouais, parce que dans le fond, elle a son frère qui habite à Longueuil, qui a deux enfants à peu près de mon âge. J'ai mon autre oncle qui habite à Saint-Léonard. Mais on est quand même une petite famille. Mon oncle a eu un kid, deux, je pense. Mon autre oncle, deux. Puis ma tante à Miami a un enfant. Tout le monde a pas, tu sais, c'est pas une grosse famille. Donc les parties de Noël, c'était pas des gros là. À part quand j'allais chez mon oncle à Longueuil back then parce qu'il y avait d'autres mondes. Ouais. Mais ça a toujours été des petites fêtes là, you know. Straight up. Pas beaucoup. Man. Fait que tu vas t'assurer de prendre la relève puis garder le nom de famille vivant. J'espère, mon gars. J'espère, mais ce serait bien, man. J'ai pas encore mes enfants les à moi. Derniers espoirs pour la lignée. J'aimerais en avoir 3-4. Le nom de famille. Il faut proliférer, man. Il faut pas que ton bloodline dies, man. Yo, for sure, man. Tu dois te reproduire, man. Il faut des mini-gars avec des barbes partout, man. Il faut les chumiser, man. C'est qui les rappeurs, vous pouvez dire qu'ils étaient les instigateurs du trap ici? Les premiers trappeurs, là. Des bonnes questions, ça. C'est qui les premiers trappeurs? Premiers trappeurs! On parle de 2006, 2007, 2008. C'est qui vraiment les trappeurs pour dire du game? Parce que je vois que j'avais fait un pot, j'avais tag paquet de gars. Je savais pas que j'étais en beat. Tu te rappelles de ce pour ça? J'avais tag. J'avais tag les gars. C'est comme, je sais pas si vous êtes en beat, mais débattez. Puis on te dit, oh, c'est moi. C'est qui? C'était même pas trap, je te dirais. Il y en a que c'est plus trap, là, mais nous, c'est plus funk. Je peux pas dire qu'on fait du trap. Ça dépend de ta définition du trap. Non, c'est parce pas que trap. Il y en a qui ont dit son claim. Il y en a qui ont dit. Mais c'est... Les gars de Mobsters ont dit que c'était eux. C'était la nouvelle vague de. Mm-hmm. T'avais Ro, les gars. C'est ça. Ouais. Ro Jay a dit que faisait du trap. Ça, c'est du trap. Ro Jay a dit que faisait du trap. Eux, c'est les premiers. Mobsters a dit que faisait du trap. RWO, c'est comme 2000. Ouais, mais ça, c'est après. C'est pas le premier. C'est pas le premier. Tizzo, Ray Ray. Mais ça, c'est après aussi. Ça, c'est l'autre. Ça, c'est la deuxième vague de trap. Moi, je parle de vraiment. La première. Ouais, c'est pour dire. Mobster, MFG. Ouais, je pense que Tog c'est Tog One. MFG, ouais. Ouais, c'est true, MFG. Ça, c'est comme. Là. Ouais, c'était dans le même temps que nous autres. Là, on. Ouais, ben donc, si on va avec la définition du trap. South, là. Tellus est venu un peu après. C'est vrai, je l'ai oublié. Tellus est venu avant les autres, ouais. C'était-tu avant? Je pense que c'était un peu après. C'était 2013. C'était 2000 ans. Donc, il est toujours là. Là, il envoie des pointes à tous les gars. Tellus, quand il est arrivé. Là où ça fait mal, là. Quand j'ai vu ça, c'est. Flex au flex. Là où ça fait mal. C'est tellement gangster, man. Il y a une petite touche d'humour. Ouais, ça, c'était cool aussi. Mais aussi, même au niveau du son, je me rappelle la même été, j'avais été chez mes cousins. J'étais à Crown Heights, puis ils étaient là, comme. Tu sais, dans le condo. Là, je suis comme. OK, guys. Je veux faire écouter un truc de Montréal, whatever. J'ai juste mis ça. Ils comprenaient rien. Ils disent, yo! Mais il est. Tu sais. Il y a du charisme. Il y a du hype, c'était hype. Mais il est hype. Ça rentre bien. Mais ouais. Tu sais, still, c'était raide, là. C'était raide. Boulette dans ton fiel! Je prends pas la violence, mais quand même. Ouais. C'était raide, mais là. Mais il dit à sa c'était façon, raide. Toi, t'es content. C'est raide. Mais sinon, pour répondre à ta question, les noms que t'as mentionnés, je pense que méritent d'être là. C'est les originators du. Le trap, là, parce que tu parles des gars qui parlaient de flip les things et tout. On flippait les things, what? Avec les gros adlibs, mais tu sais.
Il y a eu une vague comme ça. Il y avait aussi les devs de Trig aussi. Ouais, mais ça, je pense aussi, tu sais, quand on parle de Top One, on oublie. Je pense que Young Dev de Trick, dans la période, je pense, 2011-2012, où je trouve que le rap avait comme un côté un peu mort au niveau de street rap montréalais. Combien d'albums j'ai... Je pense que c'est Trick puis Young Dev qui put it up. Dev, il en a sorti 4-5. On avait sorti 4-5. Trick, un ou deux, mais il en faisait moins. Dev était plus productif. Vidéo qu'on avait faite avec Chuck Tichano et tout. Young Dev était là, puis les gars étaient là. Là, ils travaillent sur de la musique. Je pourrais pas te dire, man. Mais c'est des artistes ils vont revenir. Ils vont revenir. C'est des artistes que, tu sais, ils vont sont venir. Pas mal. C'est le sont... Gucci Mane du Québec, le gros. Young Dev. Shout out Young Dev. Shout out Young Dev. Ok, c'est Gucci Mane. Ben oui. Moi, c'est des artistes que j'aime beaucoup, man. Moi, ils sont arrivés un peu dans la même période que nous. It's you or me, bro. D'ailleurs, on avait fait un show back then, tu te rappelles, à Laval. Les gars étaient là. Ben oui, ben oui. Puis, oh, big shout out à ces gars-là. Moi, mais quand j'aime leur musique. Mais ok, regarde ce game-là en ce moment. Il dit tout ça, ce qui se passe, c'est nous. Dans une époque où ça marchait pas. Si tu t'assois avec The Trig et Young Dev, ils vont regarder la game et ils disent, mais ça, c'est tout nous. Mais on donne pas le mérite à nous. Fait que ça a eux. Le gangster rap à Montréal, mais comme qu'ils l'ont popularisé. Montréal, Laval de Montréal. Laval, eux, Montréal. Mais qu'ils l'ont popularisé après Block B, c'est sûr. Mais c'est la nouvelle génération. La nouvelle génération, c'est eux qui l'ont bring. 2011-2012, il n'y en avait pas de Montréal qui faisait ça. Là. Mais les gars, put in work aussi. The Trig, il a continué. Il a continué jusqu'à un moment donné, il était chaud là. Il y a un summer qu'il avait été cover le summer là, mon gars. Ah, ouais. Merci. Ces gars-là ont jamais abandonné. Jamais Kevin. Kevin. Mais moi, je pense que c'est à eux de, je pourrais dire, de s'imposer sur le duo qu'ils étaient pour dire, tu sais quoi, today, comme on a un statement à faire, genre. Tu comprends? Parce que les deux, oui, individuels sont forts, mais les deux ensemble, c'est quelque chose d'autre. Tout ça, c'est tout un duo, ça. C'est quelque chose d'autre. Explosif! Et je pense que je pourrais dire, comme niveau rap, niveau industrie, je pense que ça peut être intéressant de voir éventuellement les deux ensemble. Pour moi, c'est des gars qui ont put up du gros work. Ça, oui, s'il vous plaît. Hein? Quel bon invité, hein? Il sort. Fait enfin, quand toi, t'avais pris ta pause, c'est quoi, 2012? 2013 officiellement? Ouais, je pense 2012-2013. Mm-hmm. Yeah, 2012-2013. Parce que ça, j'ai fait le rêve américain avec la liste que tu as mentionnée. Yeah. Après, non, c'est ça. Comme on dit, tu sais, j'ai pris une pause, oui, mais je sortais des trucs, mais t'étais pas aussi focus, j'avais d'autres préoccupations, disons. You know? OK. Mais c'est souvent comme ça, hein, les gars, souvent, ils font ça temporairement, ils partent. Là, avant, on était combien? Quasiment 15. Ah, c'était un gros mouvement. Les je gars ont ça eu avec des kids, des familles, ils n'ont plus le temps. Mm-hmm. Tu sais, moi, je le fais parce que je peux faire mes beats puis me wreck, genre, n'importe quand, fait que à l'infini, là. Ouais. Mais t'as aussi au service que tu donnes, contrairement à toi, que t'es un artiste, ou est-ce qu'il fallait que tu spendes. Yeah. Toi, même si toi, tu spendes à tes projets, mais toi, t'as quand même des gens que tu vas t'offrir des services mixing, mastering, production, whatever. Dans le fond, moi... C'est comme ma musique, je la fais à temps perdu quand j'ai le temps. C'est ça. C'est juste. Ah, c'est plus à temps plein comme. Ben, ma musique, moi, le chum, mon brand, je le travaille quand je peux, puis mais le temps est tellement précieux que j'ai pas, tu sais. Fait que. Ben non, mais je te dirais, juste pour dire au game, là, vous pouvez y arriver, mais il faut être vraiment productif, puis avoir beaucoup d'albums, des trucs en vente. Tu vois, moi, j'en ai 63. Puis aujourd'hui, ça me permet de payer mon loyer, juste mes ventes. Ouais. Hein? Par mois. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon que les personnes puissent entendre ça. Ben c'est ça. Ben, dis, est-ce qu'il y a du rap, money, mais whatever? Il faut drop. Je paye toutes mes billes. Saturation. Non, mais lui, il y a plein. Ouais, lui, il apparaît c'est pas. Ça. Puis il y a c'est plein de billes. Toi, tu gagnes d'une autre façon, contrairement à eux. Toi, c'est vraiment avec l'accumulation, t'es capable de le mettre avec tes fans que t'as YouTube, tenu. YouTube, je sors une vidéo, un track par semaine. Mais dis ça aux OG. Dis ça aux OG parce qu'eux comprennent pas. Saturé, je sais. Ils sortent 5 tracks en un an. Non, mais ils ont un catalogue aussi. Puis peut-être qu'ils comprennent pas. Toi, t'as un catalogue depuis back then, t'as un catalogue de comme 20 ans. Oui, exact. Fait que toi, t'es capable de dire, yo, jusqu'aujourd'hui, avec ce catalogue-là, mon extra money, je peux le mettre dans quelque chose d'autre. Tandis que eux, mais eux, je comprends pas ça, whatever. Des fois, je parle d'extrême, yo, comme, t'as des affaires, c'est comme 3-4 albums, pourquoi tu me mets pas sur Spotify? Ah, je comprends pas ce bagage-là. C'est ça, mais les gars, faut qu'ils se mettent à jour plus vite. Les gars, vous avez de l'argent qui dorme. Il y a de l'argent qui dort. Il faut être constant. Puis c'est ça ce que je donne au chum. Le chum a été. Toi, c'est Rano, t'es tout remis, toute ta disco, là. Ouais, pas mal. Pas mal. Il manque peut-être un projet que je devrais... Tout est une question d'être constant. Ouais, ouais. C'est ça, t'as le contrôle.
right? Ouais, ouais, ouais. T'es pas sur un label de racket de mal. Plus maintenant. C'est Illuminati, hein. Ouais, eux, ils te mangent sur le dos, la laine. Fait que toi, t'as toujours été autonome. Oui, mais avant, c'était comme ça. Avant, il fallait être sur un label pour mettre en ligne. Ouais, mais maintenant, avec les distributions digitales. Aujourd'hui, mais avant, il fallait que tu sois avec, comment ça s'appelle, Believe? Ouais, il fallait que j'aille avec un label qui mette ma musique, mais j'ai attendu comme 2 ans, j'ai dit « Ah non, je le ferai pas », puis 2 ans plus tard, les plateformes que tu peux le faire toi-même est sorti, G. Mm-hmm. J'avais rien, fait que j'ai tout remis. Non, mais en tant que producer, comme, tu gagnes. Tu gagnes plus que les rappeurs. Ouais. Comme il y a des gros producers qui sont venus ici. T'es plus multitask, tu fais plus de choses. T'es pas obligé de rapper pour pouvoir faire un bread. C'est comme, il y a une affaire et tout, boum, boum, voici mon pourcentage. Non, mais l'affaire, c'est rec. Les beats, c'est des cassés. On est au Québec, le gros. Les gens jettent pas de c'est beats. C'est des cassés. C'est pour ça qu'il faut que t'ailles sur les streamings, le pourcentage. Les gars jettent des beats au state, des leases, le gros, man. À la place de supporter un producteur local. C'est pas ça. Local, c'est que moi, je sais. Ils jettent des leases. C'est que des ouais, fois. Ça, ouais, oui, ça. Mais tu fais des leases. Des parce retails que des... de beats, bro. Ouais, mais parce que des fois, c'est comme si t'es inspiré sur le moment. Ouais, t'es un artiste. Ouais. T'as juste comme ton petit draft là dans ton phone. T'es comme, you know what, I want to spit some stuff. Il faut que t'aies été inspiré sur quelque chose que t'as entendu. Puis t'es comme, shit, il faut que tu puisses rap là-dessus. Fait t'es comme, est-ce que je vais mais faire. Je vais refaire le beat par un producer. Le temps qu'il va pouvoir le refaire, il va prendre du temps. Là, t'es comme, tu sais quoi, man as well, j'ai tellement dead le shit. Yo, j'ai déjà pu la faire et tout. Fait, moi, je vois le processus. La fin, il me connaît pas. Moi, il viendrait, je le ferais live. Demain, il y a son mix, puis ça finit. Tu comprends? Ouais. Tout ben, ça passe vite, papa, on le fait. Mais supporter les producteurs du site. Bon. Yeah, parce que je pense que les producteurs ici, il y a des bons producteurs ici. Il y en a plein. Il y en a plein. Pour X raison, man. Mais on a de la misère à vendre un beat 100$. Mais les gars, ils placent des beats. Toi, tu vas pas à la bonne clientèle. Non, moi, je reste sur underground. Je m'en fous. C'est ça. Je m'en fous. Les gars, ils sont en Europe en train de vendre des beats. Là. Ils sont un peu partout. Oui, mais lui, il reste dans son quadrilatère. Je reste dans Internet, bro. You already know. C'est pour ça. Je veux pas plus que ça. Je fuck juste avec ceux que je veux. C'est pour ça que Cyrano a dit c'est bien quand les artistes commencent avec toi. Mais est-ce qu'après, les artistes continuent avec toi? Oui, ils vont tout le temps revenir à la source mère. Pour un beat. La maison mère. Mais moi, gars. Hey, Cyrano. Pour un beat. Là, Cyrano, c'est jouer un petit pied. Non, là, Cyrano, il travaille un album. Là, un moment donné, il va dire, yo, je veux un le. Mais juste un. Juste un le. Juste un le, puis je le mets en hidden track à la fin. Non, mais tu sais, les gars vont à là pour, yo, je veux un le. Ouais, c'est ça. Mais j'en vends des beats, là, j'en vends. Ouais. Mais j'y vends un peu moins cher, puis j'en vends plus, comme je vous l'ai dit dans l'interview. Ouais. Fait que... Mais nouveau rappeur, checker le chum. Hey, le chum, man. Puis c'est comme on disait tantôt, Cyrano, parce que le son qu'on fait, man, tu sais, le son est différent maintenant. T'sais, maintenant, c'est plus du drill, c'est plus... tu sais, le son est différent. Donc, tu sais, quelqu'un qui veut venir checker un beat de chum... du chummy plutôt, ben il faut qu'il aime ce style-là aussi. Ouais, voilà, exact. Tu sais, parce que si tu vas arriver comme Cyrano, c'est ben trop lent. C'est trop lent. Non, mais comme je dis, pour un album, c'est bon. Un album, c'est bon. Mais c'est en train de revenir, mon gars. Check Doug Douce, là, qui est en train de ramener le monde. C'est pas des fans de Doug Douce, c'est sûr que non. Je suis sûr que tu sais même pas c'est qui Doug Douce. Je connais Douce Douce, je pense que c'est un gars de Sherbrooke. Non, non, je parle de Douce Douce de Memphis, mon gars. Non, mais yo, le cron qui est en train de revenir avec des gars comme Douce Douce. Memphis va être qu'on veut très très vite. Yo, check tous les rappeurs de Memphis maintenant, mon gars. Tous les gars de Memphis, c'est eux qui s'y Gucci, qu'est-ce qu'il fait? Il fait juste signer les artistes. Yo Gotti, c'est tout. Yo Gotti, bon. Les gars de Sony Bull, ouais. C'est qui? Money Bag, yo, Push Ice. Push Ice, il est en dedans, lui, il sort pas bien. Glorilla. Glossa, Glorilla, Kay Corbin, c'est tout des fois. Ouais, mais tu check le son, il y a quand même l'essence même de ce qui se faisait dans les 90s. Il y a encore dans les beats là. Glorilla, elle rappe comme un gars, non? C'est pas elle qui a la avec une voix grave. Mais yo, j'étais pas un fan, mais Yo Gotti a fait là, mon gars. Yo Gotti est en train de faire ça. Je respecte lui. Elle vient d'arriver, elle a featuring avec Lotto, featuring avec Cardi, puis elle vient de drop a bail avec Moneybag. Elle s'est bien placée, bro. Yo Gotti fait ses bails. You gotta respect the game, les gens se placent bien comme ça. Mais c'est ça que j'aime au States, mon gars, tu vois. Il y en a pour tous les goûts, mais tu sais, ici, c'est plus difficile, on dirait. You know? Mais hey, on est au Québec. Non, mais. OK, on est dans un game de cassé. Non, mais je pense qu'avec le temps, avec comment la game elle est, je pense qu'il va y avoir une nouvelle façon vrai. Que les gens vont s'organiser. Comme je pense qu'il y a des gens qui vont
c'est des anciens OG qui vont décider de partir leur propre label pour avoir comme des nouveaux artistes. Parce que mais non, c'est toujours le même des bonnes marbres. Pourquoi on n'est pas plus ensemble, la communauté? Pourquoi on n'est pas là? On est tout. On signe en tout. Ça va jamais marcher. Pourquoi il n'y a pas plus de labels, justement? Pourquoi il n'y a pas un P? C'est tous pour eux, man. Tous pour un Coach K ici, québécois. Parce que quand il y avait l'exode vers les régions puis Québec, tous les gars, ils ont été là-bas. Puis ensuite, quand ils sont revenus, c'est les jeunes de Montréal qui l'ont pris en 2015-2016. Fait que nos OG sont où? Les Coach K, Pipi, ils ont comme 40 ans, 45 ans, whatever. Poussiéreux dans un coin de sous-sol. Parce qu'ils ont pensé que c'était l'autre bord que ça se passait. Puis ensuite, la mec est revenue à Montréal. Puis c'est ça l'industrie. Tout, combien de rappeurs de Québec en ce moment par Soulja qui bombe? Merci. Montréal. Mais oui, mais oui. Mais si on était focus pour dire, yo, on va essayer de signer ce patiné-là, on aurait tout monté des gars, là. On aurait monté les Shreez, on aurait montré. Non, mais ils l'ont fait avec Sadiq puis Fucky, ils l'ont fait. Mais ils justement, ils ont été l'autre bord, dans l'exil. Ils ont été dans l'exode. C'est ça. Je parle de tous 2013, 2014, 2015. L'exode. L'exode. Ça, c'est l'exode où est-ce qu'après on a dit on va aller l'autre bord, puis après on est revenu, puis what's up. Mais ils l'ont fait, still, c'est bon, là. Non, ça, c'est bon pour eux, non. Moi, je n'occupe pas leur assaut, c'est juste ça après. Que quand, bon bagage, mais quand là. Tu parles avec les jeunes de 2015-2016, la vague Inima, 714, Easy S. Eux, après, ils sont comme, OK, mais là, la game, vous avez déserté. C'est nous qu'on a décidé de bâtir ça avec Fizzy. Vous avez déserté. Avec Empress, avec Kevin Shane. Mais c'est correct, man. C'est des. And that's good. C'est une nouvelle. Puis tu parles de ça, ce que j'aime pas aussi, mon gars, c'est les gens qui disent que, comme, avant 2012 ou whatever. 2015, comme s'il y avait rien. Mais voilà, c'est exactement ce que je te dis, l'exode. Parce que quand. Mais c'est avec. Les jeunes ne savent pas. Ils ont juste besoin des non, parce que les gens ont disparu, même toi, t'as disparu 2012 à 2022. C'est ça, tu dis ça, mais t'as disparu. Non, c'est sûr. Mais quand même, ça enlève pas ce que j'ai fait pareil. Oui, c'est sûr. Parce que Easy S, son inspiration, ça va être quand même Seven Ave. Inima, ça va être quand même Tikazo, 514. Ils ont aussi leur, je pourrais dire, leur respiration. Mais au niveau, je pourrais dire, on the field. Mm-hmm. Tu peux pas dire qu'à ces patinés-là, OK, on a ouvert votre porte de. Pour vous, quelle porte? YouTube? Music Plus est mort comme dans les dernières années. Là, fait, c'est quoi que vous allez dire? OK, grâce à moi, t'es là. Mais à part l'inspiration musicale, puis you make me believe. Parce que la game, c'est tout le temps What have you done lately? Ouais, c'est ce qu'ils disent. C'est ça. Il y a des gars de 514 qui viennent de Park X. Yo, do you know? Gros point, mon gars. T'amènes un gros point. Ouais. Je le savais même pas. Parce qu'on on parlait tantôt de qui venait de Park X. Ouais. Mais effectivement, je sais pas à qui de 514. Je pense Gaza. Gaza, MB. On m'a dit que c'était des gars de Park X. Ouais. Mais ils sont un peu plus jeunes, je pense. C'est effectivement des gars de Parkex. Ouais, mon gars. Fait que là, on parle de 2012. Là, t'as arrêté, tu jumpais des tracks, whatever. On t'invite à la politique. La vie t'a pris. T'es comme, yo, je suis pas dans ça, je suis pas dans les entrevues, j'ai rien à dire. Non, je l'ai pas dit comme ça. Non, c'est pas ça. Je voulais juste être prêt mentalement. Et puis, non, d'être dans un bel état d'esprit. Puis je voulais avoir quelque chose aussi. Mais t'étais quand même impliqué. Tu travailles avec Fizzy pour DMS. Parle-nous un peu comment t'as connecté. Parce que t'as travaillé pour DMS. DMS ou pour DMS? Non, dans le fond, là. Avec. Dans le fond, mon gars. Avec. Tu sais, Fizzy, on s'est connecté avec la musique. Puis après ça, ben, il avait commencé dans Main Source. Mm-hmm. Puis moi, tu me connais, j'aime ça. Je suis un gars qui aime savoir qu'est-ce qui se passe. C'est ça, exactement. Je suis au courant de tout. Il aime être dans l'action. Donc, que ça soit sport, que ça soit politique, que ça soit. On peut débattre de n'importe quel sujet. Donc, Kevin, no with no drink. J'ai contacté Fizzy. J'ai dit, bro, yo, je vois que tu fais dans Main Source, whatever. Non. Tu sais, moi. Je suis toujours au courant des dernières nouvelles. On peut travailler ensemble. Bref, pour en faire une histoire courte, mon gars, on a commencé à travailler ensemble avec le site. T'en veux-tu? Puis yo, j'étais. Ah, t'es bon? J'étais là dès les débuts. Kevin mon gars. Et Brandon. Le premier DMS Battle Ring, j'étais là, mon gars. Ah ouais? En train de placer les équipements, tout ça avec Fizzy. Donc, on travaillait ensemble. Non, mais il y a quand un check. T'as travaillé pour lui, là. Les gars veulent faire leur ego. Tu vois ça, c'est Cyrano avec la condescendance. Non, mais c'est pas... Slavery is a choice. Si tu te connais un check, tu travailles avec moi ou pour moi? Moi, je te dirais dans les débuts, t'es bro. T'es malade, toi. Mais si je te donne...
C'est l'idée à Fizzy, non? T'es pas d'accord avec ça? Big shout out à Fizzy, yo, c'est son truc. On est pas dans le même monde, man. J'ai fait des chèques à des gens, whatever. My slave. Non, on a travaillé ensemble, mon gars. C'était deux personnes. On avait des ambitions. Non, mais c'est quoi qui signifie travailler pour eux? Cyrano serait un bon commandeur dans les plantations. Moi, ça serait juste, c'est qui paye? Ça veut pas dire que tu work for me. Tu peux être un contracteur. Si t'es un contracteur pour quelqu'un. T'es un freelancer. T'es pas mon employé, man. C'est un contrat, man. On est des contracteurs, man. Yo. Si c'est un employé, il y a littéralement, justement, genre, OK, t'es salarié. Mais moi, je me voyais pas comme un employé, salarié, en tout cas. Là, dans le fond, t'étais un striker, man. On le faisait. Yo, dans les débuts, tu sais, c'est comment, mon gars? On le faisait pour le plaisir. Un striker, bro. On avait une vie. C'est le truc à physique. C'est vraiment pour ça. Je voulais m'impliquer parce que je voyais que ça pouvait être big. So, je l'ai approché, puis on a travaillé ensemble. C'est ça. Do your thing, bro. DMS Battle Ring, j'étais impliqué. En autant que ça met du bread dans les poches à la fin de la journée. Ambiance Magazine, j'étais impliqué. La radio aussi. La radio, t'as vu, j'ai quelques entrevues. Fizzy, c'est un grinder. He hustled his way. Big shout out à Fizzy, mon gars, you know. Yeah, yeah. On a travaillé ensemble pendant un bon bout. Ouais. Ben oui, on a commencé des fois en affaires. I'm a champ, là, avec SP, là. Les chemins se sont séparés. Ouais, I'm a champ. Ryan Stevenson. Oui, je me rappelle ça. Oui, bro. Ça, c'est un fucking hit, là. Attends, c'était derrière ça, c'est ça? C'est moi qui ai fait le beat. Ok, oui, je me rappelle. Yo, bro, c'était B.U. il m'a allé. Hey, on veut faire le track theme de Jean-Pascal. Mm-hmm. Puis après ça, yo, j'ai fait le beat avec B.U. T'avais SP, Fizzy, B.U. Yeah, ça, c'est un gros puis projet, il rentrait ça sur le ring avec un le. Ouais. Yo, ça, c'était fucking gros, nice. Projet, ça. Yeah. Yo, I made it. Il y a au moins 50 personnes qui ont entendu le au Centre Bell. Yeah, yeah. C'est un gros move, ça. Mais, ouais. Yo, tout ça pour dire, vous avez un bon point. La période que j'ai comme j'étais pas là, mais j'étais avec The Main Source. Là. C'est ça, t'es dans The Main Source. Je faisais d'autres choses. Dans les premières vagues et tout. C'était un journaliste. De quelle année à quelle année, tu te rappelles? Shit, bro. Parce que The Main Source a vraiment, je pourrais dire, fait son entrée 2015. L'as-tu mis dans ton CV? C'est 2015 parce que c'est là que moi, je commençais à faire mes shows Blueprint, où je commençais à promouvoir les 714, Zena, D'ailleurs, Frank. Blueprint, on s'est vu quelques fois. Exactement. Fait que c'est en même temps que lui, il partait de Main Source. Yeah. Moi, j'avais comme quitté les bookings avec les artistes américains. J'ai dit, tu sais quoi, je vais me refocaliser sur le local. T'étais un bouquet. T'étais un bouquet. Fait que là, j'ai commencé à dire. Puis c'est là que je voyais comme physique qui commençait. Puis il n'y avait pas encore le Battle Ring, whatever. Puis là, j'ai dit, OK, il part son mouvement, whatever. Fait que c'est comme 2015. Yeah, 2015, you know. Puis, tu sais, c'était beau, c'était nice. Puis lui, big shout out parce que jusqu'à maintenant, il est jusqu'à en train présent, de faire. Non, c'est un pilier, je pense, dans ce rap. Après ça, Régal est revenu me voir revigorifié, Régal 2.0. C'est ça, là, après, il y avait eu Chez Ton Boy. Ouais, Chez Ton Boy, c'est un petit podcast que, tu sais, c'est parce que j'aime le sport. T'adores le sport, mon gars. J'adore le sport, mon gars. Donc, je voulais... Ah, c'était sur le sport, OK, OK. Yeah, Chez Ton Boy, c'était genre, on parlait de sport. Comme vous faites là, on s'assoit. Yeah. T'sais, j'avais commencé ça, bon, après, ça s'est arrêté, là, mais... Chez Ton Boy, c'était bon. J'aime ça. Back then, je voulais être un journaliste, mon gars. Catchy, non? Man. T'aurais été bon, man. C'est ça, mon gars. So, j'ai fait les trucs avec Fizzy, puis après... T'étais plus dans le sport. Yeah, exactement, parce que... C'est compliqué remplir cette affaire-là, hein? T'as vu ça, c'est hein? Beaucoup d'efforts, man. Non, mais c'est les morceaux que tu mets de l'Art Village que je mets. Non, mais c'était beaucoup d'efforts. J'ai calculé combien de temps ça te prend. C'est l'équivalent de rouler un joint, bro. Mais c'est mieux pour les. Mais pour c'est practical. Les poumons, c'est practical. Oui, je sais pas si tu voulais rouler un Art Village pour le chummy. Ah non, je suis bon, moi. Je vais pas dans ton affaire, là. Okay. Mais t'as eu tes vaccins et t'es correct parce que moi j'ai la COVID, là. J'ai oublié de mentionner avant d'arriver. Toi, t'as pas l'air d'un gars double vaxxed. Moi, je suis plus triple, moi. Ah ouais, straight up? Ah ouais, moi j'étais un triple, le gros. T'es dans tout ça, toi. Ouais, moi, j'ai un 9 à 5, 2-3 jours par semaine, là. Ah ouais, for real? Ben oui. C'est pas un secret, man. J'ai un petit 2-3 jours, là. Je travaille encore une vraie job à 4 pentes, 4 murs. Ah ouais? Caché de la population, de la civilisation. Je savais pas, honnêtement, je savais pas. Ben oui, je fais mon 30 piastres de l'heure, bro. Je travaille 2-3 jours, puis... Straight up. Il faut que je sorte des ténèbres une fois de temps en temps, bro. Après ça, j'en reviens. Mais oui, I do it. Yo, dans la vie, il faut... Just keep it real. Tu comprends? Bah ouais. Keep it real. On est dans le rap club du Québec, c'est dur de vivre de ça. Ça paye mon loyer, mais still, je grind.
puis il faut que tu sortes, il faut que je sorte un peu là, du studio, gros, mais j'ai une vraie job. Mais oui, man. On est un par ici. On même chose pour moi, monsieur. Même chose pour moi. Tu comprends? J'ai toujours une vraie job, là. Parce que moi, on a des diplômes derrière la cravate, là. J'ai fait mettre ça en soul back then et tout, you know. Mais tu sais, il y a une fois, mon gars, j'étais chez Sammy Fruit avec ma mère, you know. Oui, oui. Je suis rentré, je suis comme, damn. Je vois tout ça, je suis comme, damn. Tu peux trap d'autres choses que, you know. Mm-hmm. Yo, tu peux trap des oranges, des fruits, des légumes et tout. Ah, parce que they get it in for cheap, eh? Ça a mes fruits, mais des fois, c'est des bails qui vont expirer vite. Non, aussi. Non, je sais, mais mon c'est point, bon, c'est des fruits. C'est que j'ai compris avec le temps que, bro. Non, mais rien de mieux que clean money. Tu peux faire des hustles légales. Clean money. Bro. Sans le stress qui vient avec. Ouais, ouais, ouais. Clean money, ça donne rien. Cela, moi, clean money. Je me suis recyclé dans la vente, you know. Toi, je pense que t'as un job aussi à travailler ça, hein. Tu vis pas du rap politique, toi, là. Hein? Non, mais moi, je suis un entrepreneur depuis... j'ai Oui, oui. Je sais, mais Cyrano, tu dois... Moi, j'ai des bouches à nourrir. Moi, j'ai paquet d'enfants. C'est ça, il y a comme un skid. C'est plus le fait que quand t'es pas real avec... Puis moi, j'aime juste la nouvelle wave que je vois qu'il y a des artistes qui sont bookés dans des gros festivals, ils voyagent... Peu importe le deal qu'ils ont avec leur label. L'élite du rap game. Peu importe, ça peut, l'élite ou pas bon l'élite, ça, mais au moins, nom. Ça permet de voir des artistes sur comme ça. Mais c'est bon. Ça paye maintenant, non? Ça paye, tu vois, des artistes qui sont comme... Avant, c'était quoi un show? En 2010-2011, un show, c'était quoi? Ton boy, c'est sporté local, bro. Pour Prohibition. Combien ça payait? Mais quand bouquait pour un show? Dans quel sens? Quand tu bookais un show, on avait back then, c'était la quoi? La wax, c'est le Ah ben, c'était pas tes gars. Mais le buzz, c'est Loud Village. Loud Village. Il y a deux conversations, là. Ouais, non, c'est ça, yo, ok, yo. Ben oui, on est des gars de main, nous, on croise le fer. Ok, vas-y. Back then, c'était combien qu'on te payait pour un show? Yo, back then, bro, c'était des peanuts, là, mon gars. Ils nous donnaient 10 shooters, puis... Un pourcentage sur les tickets que tu vendais. Yeah, exactement. Ah, oui, le struggle, je te paye un billet. Je te donne 5$ sur chaque billet, whatever. Check un racket, hein. Mais c'est fini, ces temps-là. Mais il fallait le faire, Tu le jure, man. L'esclavage des shows, tu commences... Avant, on le faisait. Puis il fallait qu'on le fasse. Moi, je le faisais aussi. Moi, je parle de 2008-2009, là. Fallait en soul. Fallait que des ventes... Si t'es pas capable de vendre 10 tickets dans tes proches, dans ton cercle, ça marche pas. Ouais. C'est pour ça qu'il y avait des beefs. Du monde disait encore là, des promoteurs comme Ricky D, puis whatever. Mais lui, il est comme, yo, moi j'ai mon headliner. Yeah. Toi, tu veux faire le show. Moi, il faut que je puisse m'assurer d'avoir au moins comme peut-être 40 ou 50 billets au moins. Fait que t'envoies 20 strikers comme ça, puis t'es bon. Au moins. Ouais. C'est que là, malheureusement, ça faisait peut-être 4-5 openings qu'ils étaient whack. Ça les premières parties BS des shows tout c'est le temps, qui était pas bon, mais aujourd'hui tu peux avoir un Shreeze, t'as un Easy S, un Rosalvo, whatever, ils ont des fans, c'est pas la même chose. Back then c'était pas comme ça. Quand on avait des shows locaux, c'est quoi qu'on avait? C'était quoi, genre la foule, c'était les artistes et leurs femmes et leurs femmes. Maintenant j'ai vu les shows et le Mononcle sous des gars de canicule, yo. C'est pas la même chose, là. Non, le love est real. Le love est real. Ils ont 19, 20, 21, 22. C'est des filles, des gars, whatever. Yeah. C'est des vrais fans qui viennent. Ça, bravo, faut que tu respectes ça, man. Yo, le love est real. Quand le love est real, c'est la même chose. Ça finit ça en mosh pit. On allait en région avec le chummy, mon gars. Yo, on transformait l'affaire. C'est ça, région, mais c'est pour ça que j'ai dit que... En bordel, on transformait le club en partouze. C'est pour ça que j'ai dit que les régions, c'était plus facile parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de shows. Vous étiez comme exclusifs. Puis c'était comme vous étiez des superstars. On arrivait là, avec un grill, on ne savait même pas c'était quoi. C'est ça. Mais de voir ça à Montréal aujourd'hui, c'est différent. Real. C'est vrai, t'as toujours des grills, toi? Ouais, mais je le mets pas en entrevue comme un piment. Ça, c'est le premier. Ça, j'avais dit dans son entrevue, ça peut être le premier rappeur avec des grills. Des grills dans la game. Toi? Ah ben oui, c'est moi. Pound for pound. Moi pis CDX. Ouais, toi pis CDX, c'est vrai. On est les deux seuls, bro. Pis yo, pis tu sais, vu qu'on parle de canicule, bro, je vais toujours me rappeler, Ciseau, là, yo, je le connaissais, il était tout jeune, mon gars, j'allais dans le Red Block, j'avais un ami à moi qui habitait dans ce coin-là. Red Block. Une fois, je suis arrivé, je crois que j'allais à Marianne dans le temps, mon gars. Là, il y a un petit patinet qui est en train de fumer du boom, le gars avait l'air d'avoir 10 ans. Je suis comme, c'est qui laisse fumer ce patinet-là? Là, yo, next thing you know, c'était Ciseau, mon gars. C'était Ciseau. So, yo, j'ai vu l'ascension, c'est pour ça, yo, je respecte son grind, parce que je l'ai vu de si jeune.
jusqu'à maintenant ce qu'il fait. So, ouais. C'est vraiment wild de voir ça. Là. Mais eux, ils ont amené un vent de fraîcheur. Là. Ouais, Laval, Trap. Ah, c'est que quand on parle sur le côté, je pense, Trap, nouvelle génération, fraîcheur, Laval, yeah. Haïtien aussi. Yeah. Parce que l'affaire, c'est comme magnifique. Si il y a Izies qui est arrivé, il y a Inima, il y a 614. Dans mon top 10, Cyrano. Mais il y a le nouveau mouvement mais Canicule. Mais j'ai écrit tout le groupe. En fait, Canicule, ce qu'ils ont montré, c'est qu'ils ont été le succès qui nous... Ils avaient toujours été interdits pour dire que, tu sais quoi, si tu rappes comme ça, ça va pas marcher. Puis il y avait un slang montréalais. Ouais, exactement. Très montréalais. Et ça a marché. Ouais, c'est vrai. Je suis gris, je suis sous ça. Pour le beat. Le street rap a pu passer. Accessible à tous. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que je pourrais dire que peu importe les personnes, ils vont chapeau. Critiquer Shree, Tizo, whatever. They made it. Ils sont des goûts de la nouvelle génération. Goals, tout le monde les connaît, les petits jeunes, ils chantent leur verse par cœur. Puis tu comprends? C'est vraiment ça, tu sais. Fait que, faut respecter le grind, man. Fait que toi, tu t'es assis après les années, whatever. C'est quoi qui a fait en sorte pour que tu puisses dire, tu sais quoi, je reviens dans le game? C'était quoi les derniers temps dans la dernière année? C'est le chum qui t'a motivé. C'est le chum qui m'a motivé. You know? Ah ouais? On a toujours voulu faire un projet solo. Puis là, on a fait son deuxième album. Je suis back dans le game. Mais, dans le fond, je voulais faire un. Back comme un travail au noir 2. You know? Mm-hmm. Mais là, bon, j'ai commencé à reg des tracks, featuring avec le chat. J'ai commencé à faire de plus en plus de feats. Là, on a vu, oh shit, ok, 2 feats, 3 feats, 4 feats. On est comme, you know what, on fait un projet solo, duo plutôt, puis ça faisait longtemps qu'on en parlait. On fait une couple de tracks de plus, puis yo. J'ai jamais eu autant de plaisir à enregistrer un album. Ouais, je comprends. Sur ce projet-là, yo. C'est à moi. La fin, c'est moins dark, si t'as remarqué. Ça, j'ai remarqué. Ça, c'est moins dark. Ça va l'air d'être plus le fun. Et puis pour de vrai, tu vois, il donne un prop. On a beaucoup de plaisir. Ça sonnait louche. J'ai un track qui s'appelle C'est Off qui est censé sortir. Ah ouais? Avec Elga. Je l'ai sorti avant, mon gars. J'ai enregistré avant, bien avant. Les gars, il y a de 52 qui ont fait ce track là. C'est Off. Quand j'ai entendu ça, oh shit, on a un track qui s'appelle ça. Moi, j'ai un clip, c'est clippé et tout. Tu as fait un bro qui a été le premier. Il Shameless plug. Il arrête pas de dire c'est Off. Ah, ça, c'est off. Oh shit, on va faire un track. Mais tout le monde l'a fait. Recycler, man. C'est Off. Mais sinon, pour revenir à ta question. Mais parce que c'est lui qui a parti le concept. Moi, je l'ai suivi dans tous les tracks. Ah ouais, c'est vrai. Pour de vrai, c'est aussi. T'as raison. Plus bright. Je l'ai allé vers son mot à lui. Avant, c'est vrai. Souvent, je le chum. Des ténèbres. Le chum avait le refrain, le concept, puis j'embarquais. Mais celui-là. J'en ai fait une coupe. Je t'ai envoyé. Mais le 3-4, c'était mes idées. Ouais. Donc, j'ai jamais ri autant à faire un projet, bro. J'ai jamais eu autant de fois. Moins dark. Tu le connais, ce gars-là. Des fois, je suis comme, yo, il a vraiment dit ça, man. Ouais, il a vraiment dit ça. Ouais, il a dit des vrais. Il a vraiment dit ça. S'il le dit, c'est que ça a eu lieu quelque part. Son verse dans Samedi Soir. Samedi Soir, c'est une vraie histoire. Yo, donc, c'est fou. C'est une vraie histoire. C'est tellement simple, mais je l'ai rappé pendant 16 bars. Yeah. T'as déjà travaillé avec DJ Crown, toi? Ben oui, DJ Crown. C'est pourquoi tu vois cette question-là? Mais je pense que c'est DJ Crown ou DJ Crowd? DJ Crowd, ouais. Il y a une similitude, c'est ça? Ah, c'est mon cousin. Italien. Cousin. Italien. Oui, il habite à côté de chez nous, bro. Ouais, c'est mon grand cousin. Lui, il mixait le gros, puis j'avais même pas de barbe, là. Ouais. DJ Crowd, le gros best DJ in town. Ouais. Puis tu sais, aussi, c'est le cousin. Ouais. Tu sais, je voulais. Tu sais, Kéké, je pense que c'est peut-être pour ça que tu m'as posé la question. Lui, il fait des grosses. Je voulais montrer de quel bois je me chauffe aussi. Je voulais montrer que, yo, guys. Ouais. On fait ça depuis 2007, you know, malgré le temps mort. Oh, de quel bois je me chauffe! J'aime ça, de quel bois je me chauffe! De quel bois je me chauffe! Du chêne. Yeah, des belles expressions, maman. Vas-y, continue. Bro, pis je pense que t'écoutes ce projet-là. Ouais. J'étais pas content, il y avait plein de choses à dire. Yeah, tu peux pas dire que c'est un gars qui a pris une pause de 10 ans. Là. Moi, je pense que t'écoutes si à moi, ça fit bien. Dans le son actuel, mon gars. Puis des fois, c'est pas facile. Tu reviens. Ils te mentent, ils l'ont même pas écouté. Non, j'ai écouté, je t'ai parlé de ça. Attends, c'était quoi le track que j'avais dit dans le. Parce que tu gis Marie-Jeanne et tout. Le track de Weed, là, c'est quoi encore le track de Weed, Jommy? Track de Weed. C'est pas Rockstar, c'est le beat, c'est le track avant. In My Brain, tu sais, avec le sample. In My Brain, tu vois. Mais je vois de quel track tu parles. Exactement. Ensuite, c'est Fry. Ensuite, j'aime pour les boys. On est grillés. Pour les boys, ça fait très storytelling. Pour les boys, tu vois, c'est backtrap. On parle de notre carrière. Exactement, ça, j'adore. Pour moi, là, c'est comme vous avez des props avec ça, on avait tout. C'est un track de props. Fait que là, c'est comme si c'est storytelling, tu parles, whatever. Tu dis des noms de personnes que je connais pas, whatever.
mais je rentre dans ton univers qui est pas nécessairement dark. Mais faut que tu fasses semblant à des connaître quand je suis en interview. Exactement, mais pour moi, ça, c'est comme si je rentre dans ton univers. On les a écoutés, t'inquiète. Ensuite, quand même, on retourne dans le côté, je pourrais dire, plus trap qui est pionnier. Il y a pionnier avec le vidéoclip. Quand vous êtes dans le côté sage, c'est comme OK. J'ai vu mon flow là-dedans. Yeah, c'est pour ça que j'ai dit c'est bon là. Non, je t'allais raide. Mais là, quand vous retournez là-dedans. Il y a une track, t'as joué avec le flow, t'as fait un effort. C'est lui. Pionnier, t'as fait un effort. Si c'est pour un vidéo. 1/10. Pionnier, I think. Mais oh, on a fait le vidéo de Pionnier. Ben oui, yeah, il l'a même pas vu. Non, j'ai pas vu. Moi, j'ai écouté Drake. Mais Pionnier, on a justement sur le Given. Moi, j'ai pas vu une vidéo. J'ai fait combien de vidéos jusqu'à présent? J'ai vu la seule vidéo que j'ai regardée. J'ai pas vu une vidéo. Avec le Charger vert fluo là. T'es sérieux, c'est correct? Non, mais c'est fort. J'ai dit s'il y a une vidéo. En plus, Pionnier. Ça a passé dans le bar. Et je l'ai pas vu. Non, c'est ça. Je te donne ton propre. Ma question, c'est ça qui est en train de faire. J'ai écouté, si il y a une vidéo, vous avez eu le même réflexe. Ma question, c'est pourquoi j'ai pas vu la vidéo? Je vois tout. Je vois tout. Pourquoi j'ai pas vu la vidéo? Vous avez pas payé pour la pub. C'est la question. On le fait, ça. Mais moi, vous l'avez pas. Je pense que je l'ai vu sur un feed. Pour moi, ce beat-là est terrible. Mais pourquoi je l'ai pas vu? Une vidéo, je te l'ai pas envoyé en DM direct. Non. Tu comprends? Je t'ai tagué, puis je t'ai... Dans ta liste de 52 000 taillages, c'est une bonne question, mais non, c'est une bonne question, Kiki. Parce que je vois tout, puis je vous dis, yo, moi, ce track-là, on a quand même fait de la promo, on a payé de la promo sur Facebook, tout ça. Ah, ok, vous l'avez fait. Non, mais avec la vidéo. Même à ça, ça. Je sais qu'il y avait une vidéo, ouais. Est-ce que t'as regardé la vidéo? Elle est passée dans le bar. C'est ça, c'est fucked up. C'est en plus, c'est avec la vidéo. Non, mais je pense pas que je l'ai vu, ouais. Parce qu'il y avait un Charger vert. Ouais, il vient de te dire. Puis on a les cagoules, là. Non, mais ça me dit quelque chose. Attends, dis rien. Attends, ça me dit quelque chose. Ouais, là, la cabane à sucre. Charger vert lim. Moi, j'avais pas. On reste dans les actes. Non, mais on regarde tellement de vidéos, mais. Mais c'est pas plus grave que ça. Là, je suis grillé, je suis fried. Non, c'est pas plus grave que ça. Mais on a fait le vidéo. Non, mais dis que tu l'as pas vu, Cyrano. Non, mais je pense que je l'ai vu pour demain. On va pas. T'as fait comme Kevin. Non, moi, je suis honnête. Moi, j'ai dit le track est nice. J'ai une cagoule rose là-dedans. Ouais, j'ai une cagoule violin. On est allé flashy. C'était le concept. Violin à la Gotham. C'est pas plus grave que ça. Mais il est vraiment beau, le vidéo. Gros track. Il est beau. C'est un de mes meilleurs verses. Ouais. Yeah. T'es raide, là. Je twist, pis tout. Je le fais une fois sur le chien. Mais c'est pour ça que je dis que... Pis ça, c'est le beat. Tu l'as fait, tu l'as produce. C'est pour ça que je dis que quand même, tu es capable de pouvoir produce des beats... Actuel trap. Je le fais actuel, plus actuel. Non, parce que lui, il pense que c'est comme si. Je sais, il pense que je m'adapte pas. Tu feras juste des gars de ton. Je vais faire comme un beat actuel sur 20, comme. Pour 20 ténèbres. Tu comprends? Mais pour les jeunes, dans le sens que un artiste qui. Les jeunes, il faut que je le file avant. Non, mais. Moi, je pense que les jeunes, s'ils prennent le temps, ils peuvent bump le projet si à moi. C'est un gros projet. Ouais, c'est là. Comme deux vieux finis qui faut qu'ils donnent une chance au projet, jeunes, sauf que, tu sais... Deux vieux finis, là, puis on... Oh, ce gars-là! Non, mais c'est vraiment ça, le gars, on keep it real, là. On approche le 40 ans, puis on est comme, yo, on trippe encore, mais... Tu sais, c'est des éternels hangover, là. Moi, je suis comme... Je suis en permanence en hangover. Ok, le clip que vous avez sorti, c'est Pionnier. Yeah. Non, mais de quoi qui parlait depuis tantôt, ce fait. Non, mais ça fait un an de ça. Pionnier, ça fait à peu près. L'album vient de sortir. Ah, c'est ça qu'ils l'ont fucké. C'est ça, ouais. Parce qu'on a sorti l'album, on a sorti une vidéo. Ok, vous avez sorti. Mais vous êtes pas sérieux, là. Mais c'est ça, là. Parce que regarde, c'est ce vidéo-là. L'album vient de sortir. Ok, mais vous êtes pas sérieux. Parce qu'on n'a pas sorti. J'ai même pas connecté. C'est parce qu'on n'a pas sorti d'autres vidéos, puis on a juste drop. Mais non, c'est quoi ce marketing? J'ai décidé de le drop sans vidéo avec des singles à la place. Ok. C'est pour ça que non, mais vous êtes pas sérieux, vous les gars. Vous êtes pas sérieux. Non, c'est pas que vous êtes pas sérieux, bro. C'est l'approche est différente. Les gars, on a pas fait de vidéo. Ça va nous coûter 5-6 kills vidéo. Non. Non, mais c'est pas pour moi. Je suis plus là dans la game. Je faisais un bail pour de l'eau. Bro, j'ai même plus besoin de sortir de vidéo. Ça se vend tout seul. Mais c'était l'idée du jour. On a peut-être pas besoin de sortir un clip. Ouais, mais pour lui. Oui, mais il est avec moi. Mon fanbase, ils vont l'acheter pareil. Ouais, ça, après ça, lui, il va faire ses trucs solo. Puis il a plus de grind à faire que moi. Moi, je suis rendu au niveau que je sors pour sortir. Puis ça se vend tout seul. C'est tout. J'ai plus besoin. Il a raison. Chami sort des vidéos. Les views sont là. À gogo. Le pionnier a eu quelques views. On s'entend. Tu sais, c'est pas des millions de views. Mais je pense que c'est une question d'être constant. Plus je sors de vidéos, plus les fans vont... Il faut sortir les saturer. Mais c'était quoi le
je faisais le concept du titre. Si à moi, pourquoi si à moi? Demande au chami. Parce que d'enfant, parce que moi je vois vous êtes très yin et yang. Ben oui, vous êtes ben pas ici à moi-même là. Non, mais c'est toi t'es plus posé, t'es là avec ta veste genre comme de Davido. Ben oui, toi, mais yin et yang. Sors des limbes comme Davido. Si on t'a donné une deuxième chance de sortir de la GN. Moi je sors même des limbes. non mais parce que yin et yang, je l'ai déjà fait comme projet avec un autre boy. Mm-hmm. C'est un album duo, tu sais absolument pas de quoi je parle, tu fais semblant. Non, j'ai dit ok, tu l'as fait. Non. T'as fait ah non t'as fait okay. Comme tu savais non je t'ai fait ah, mais merci que tu fasses ça, il fait toujours ça mais les gens pensent toujours qu'il sait tout. Oui non mais il fait toujours ça. Ah, okay. Non il me dit ouais ouais non pas oui oui c'est ça quand après là on me demande les sérieux de se connaître et là je suis comme au chien. Non interrogation. Il a dit ouais. Ah. Non, c'est correct. Mais j'aime ça, on continue. C'est correct et tout. Si à moi, c'est comme on est reliés depuis qu'on s'est connus, on a comme fusionné, tu comprends? Fait que quand on est ensemble sur un track, on devient comme un. Tu sais ce que je veux dire? Si à moi, on devient qu'un. Straight up. Puis j'ai vu l'idée du cover avec nos deux têtes. C'était tout mon concept. Puis j'ai fait non, le cover est bon, tu vois, c'est bon, c'est bien fait. C'est catchy, puis les chats, bro. Ouais, quand on a fait le photoshoot, mon gars, Pinéal soit clean. M'a dit, oh, fallait qu'on s'habille. Là. Okay. Comprenait pas. Avec un pyjama. Non, mais si, il fuck avec le chat, moi, je vais faire des niaiseries, là. C'est ce que j'aime avec lui, il a pas peur de faire des niaiseries, moi, tout le temps. Mais, Kiki, tu préfères ce que tu dis? Parce que là, je suis plus relax, mon gars. Là, comme je te disais, j'ai pas fumé depuis le début de l'année. Mais il aurait pas fait ça tout seul. Je bois pas l'alcool, you know, pour le moment. Tu sais quand j'étais inclus dans le projet. Mais récal. January, ok. Bro, toi, ouais, non, je suis en mode sobriété là, mais. J'avoue, on aurait dû le faire. J'ai eu mes modes rockstar, là. J'ai fait la fête, guys. Ouais. Fait le party, là, you know. Donc, ce projet-là, c'est pas son premier vidéo. Tu comprends? Je vous amène dans notre monde de. Dans notre monde de fini. Tu comprends? Donc. On connecte à travers ça aussi. Là, je suis plus posé, on est en entrevue. Ouais. Mais Récal peut être en mode rockstar aussi, you know? On est, tu sais, on ne fait qu'un quand on travaille ensemble. C'est ça le deal de si à moi, puis... Parce que, bro, quand je rappe, là, bro, si je voulais vraiment, je pourrais sortir des bars de fou, puis, tu sais, mais je dormais dedans beaucoup quand je rappe, you know? Tu comprends? Mais je te dis, puis malgré ça, c'est le dumb it down, exact. Oui. Malgré ça, bro, ben, t'écoutes mon shit. C'est ça notre lingo. Ouais, je sais. Donc, moi, je fais ce choix-là. On se force pas. Mon approche artistique, c'est ça. Puis on s'assume. On se force pas, puis on s'assume. Ouais. Toi, t'es un gars de bars. Parce que c'est la vie, il est déjà gentille. Mais j'ai pas entendu de drill dans l'album, là. Mais non, j'haïs la drill. Mais pourquoi? Je déteste. Mais comment? Vous avez expérimenté plus West Coast, plus West Coast, il y a des beats East Coast. Pas de drill, le gros. Mais. Un drill, c'est juste un esti de beat avec un beat, un drumline décalé. Bro, mais pour ça eux, s'est fait par erreur ça. Pour le les gars jeunes, le drill c'est un nouveau trap. Dans son beat, pour fait, les jeunes, pour les jeunes, la drill c'est nouveau trap. Ouais, mais on veut pas faire ce que les autres font. Je comprends. On veut rester fidèle. Jamais on va chanter là-dessus. Nous. Je comprends. C'est pas notre génération. On le fera pas. Tu sais, on est des fans de Six. On est des fans de Six Mafia. Non, jamais. Ça tente pas. Je dis pas que je le ferais pas, mais je l'ai jamais fait. Ça tente pas. Comme on dit, on est des fans de True Six Mafia à la base, you know. Ouais. Donc, si tu check Project Pat, il va pas te sortir un drill. Ouais. You know? Donc, nous, on reste fidèles à notre style du début jusqu'à la fin. Oui, je pourrais faire du drill, mais je fais un choix artistique. De on reste dans notre lane, bro. Puis, est-ce que c'est un projet juste pour dire, OK, I'm back in the game, ou t'es comme... Yo, je suis là, puis je... Yo, je suis là, c'est pour toi-même, c'est un challenge pour toi-même, c'est un statement. C'est ça, c'est un challenge pour moi-même. Il a fallu que je tombe dans un bras. C'est un statement pour que les jeunes, s'ils écoutent, ils voient que, yo, you know, Récal, les affaires sont là aussi. Mais est-ce que j'ai des projets de revenir en force? Pas sûr, mon gars. Non. Je l'ai fait plus pour moi-même, you know. Plus pour moi-même, puis. Tu sais, je suis honnête avec toi, tu sais. Je vais pas te raconter des mensonges. Mais non, il va revenir comme une érection, man. Full blast. Pour le moment, c'est plus pour moi-même. Je suis back. Ouais. Back comme une érection. Pour le moment, c'est plus pour moi-même que toi, you know. Non, mais. Récal, il a encore la flamme, il aime ça. Parce que j'aime ça, mon gars. Il aime ça, il a la flamme, il prend pas sa retraite. Puis t'écrivais toujours à la base aussi, là. Ben oui. Le gros, il va faire un récal, tu vas faire un Travail au Nord volume 2. Ouais. On est supposé le faire, ça fait vraiment longtemps. Parce que, encore une fois, mon gars, je le fais pour le fun, parce que, j'approche la quarantaine aussi, mon gars. Est-ce que je veux. On a mal me partout. Mettre comme ça, c'est demandant faire de la musique. Non, mais la face, c'est ça qui me fait rire quand vous dites, oh yo, je vais prendre la quarantaine, whatever et tout. Mais.
tu sais, le style hip-hop est quand même, je pourrais dire, le style quand même jeune aussi. Puis on voit les 45 ans, 50 ans comme les OG qui sont là, whatever. Fait que c'est comme si, quand vous parlez comme ça, vous avez plus votre place. L'élite! Non, mais c'est comme si vous avez plus votre place. Mais quand tu regardes les jeunes qui sont là, qui bombent, leur subvention, c'est quand même avec des rappeurs qui étaient là back then, là, qui ont 40 ans. Là. Yeah, for sure. Comme tous ceux qui sont comme dans Joyride, dans 7e ciel, qui sont avec Da Vinci, whatever et tout. C'est tous des nés 40 ans, whatever. Fait qu'on dit, ouais, mais on devient vieux, mais même ces jeunes-là bénéficient des gars qui sont comme... On veut pas aller là, tu comprends? Non, je le sais. On est des gars de main. Même la même façon que toi, t'es un producer, tout ça, whatever, tu peux faire des ateliers, tu peux faire de la formation. Atelier-moi une gosse, Kevin, là, je vais faire quoi, des ateliers d'écriture? Ça paye bien, trust me, you're gonna do it. Non, je pourrais jamais faire un atelier d'écriture. Pas d'écriture, de producing. Ma plume est trempée dans marbre. Non, des jeunes qui veulent faire du producing. Quand j'écris. Si on te dit, OK, tu sais quoi? Parcours, c'est 1000 piastres qu'on te donne juste pour... Oui, ça, oui, je donne des cours, mais je peux donner des cours et shit, ça, je le fais, des cours de beatmaking. Je te montre Fruity Loop, le gros, en 6 heures, là. En 6 heures, tu fais des beats. Tu comprends? Straight up, bro. Straight up, 6 heures. Moi, c'était vraiment, regarde, comme je te dis, c'était pour montrer que j'étais capable encore de le faire. Pas d'atelier. Puis, tu sais, j'aime ça, c'est une passion, la musique, you know. Mais en toute honnêteté, est-ce que je vais m'investir comme ça, sortir 10 clips, faire des shows? Pour le moment, pas sûr. Non. En toute honnêteté. Mais si ça se donne, OK. On y va avec le flow. On y va avec le flow. We did it. Toi, tu devais que... Il fallait que tu passes vraiment pour la game, c'est pour l'histoire. Yeah. Parce que t'as fait quand même partie de l'histoire. You know, one of the first ones from Park X. On a mis Park X on the map. Dis-leur, là. We did this one for Park X one time. Parce que c'est l'histoire montréalaise. Exactement. You know what I mean? Non, parce que Récal, il tient vraiment au mérite qu'on soit déclarés comme l'élite du... OK, mais est-ce que toi, tu sens ça? Quand t'écoutes de rap politique, parce que t'écoutes de rap politique... Oui, tout le temps, mon gars. OK, le monde s'en fait assez, mais... Non, mais pour ça, peu importe les charts que j'envoie, tu sais déjà que pour ça, mais on n'a pas le choix de le dire. You are the one that created, that brought the chop and screw à Montréal. Fait que t'es un goat là-dedans. Le down south, là, c'est toi, là. Dans ces années-là, comme on dit, il n'y en avait pas et tout. Mais est-ce que t'as senti que... Mais est-ce que t'as senti que quand il y avait des entrevues, on t'a né job assez ou il y a des gens qui sont venus puis sont comme yo. Non, mais ça c'est de ma faute, je prends le blâme. Toi, t'as pas né job vraiment. Non, mais le job, tu as né job. Oui, mais toi, en tant que Récal, parce que moi je sais déjà qu'est-ce que tu fais. Mais est-ce que toi tu sens qu'il y a même des personnes qui sont venues ici, t'es comme yo, tu vas pas me né job? Like, come on, nigga, like yo. C'est vrai. Si c'était pas pour le projet. C'est un underdog. Une chose, t'as fait ce projet-là. You wanna be real? Une chose, t'as fait ce projet-là. Moi, j'avais déjà checké Récal, fait que moi c'était pas pour le projet. Fait ça, c'est toi qui est genre dans le pop. Mais le projet, t'as aidé pour revenir sur le radar. Oh shit, Récal, what happened? C'est sûr. Mais tu sais, comme je te dis, moi je prends un blâme aussi. Oui, parce que si j'aurais été plus constant, j'aurais une plus grosse carrière, puis on m'aurait sûrement name drop. Mais l'affaire, c'est qu'il a toujours fait partie du cercle, il a toujours été là. C'est ça. Je l'invite tout le temps. C'est pas comme si t'avais pas des featuring, t'étais pas là. Toi, c'est comme. Oui, je comprends quand tu dis, genre, comme si t'avais été plus constant, mais. C'est pas comme si t'avais été inexistant. Non, exact. Il y a des années, vraiment, je pense que t'as comme 2008, 2009, 2010. C'est comme t'étais là, là. Non, mais tu t'apprécales, tu vois tout. Puis tu vois les shit, là, tu vois les features. Moi, je suis un gars humble, non? Donc, c'est sûr que. Mais il y en a fait, là. T'en as fait des trucs, c'est pour ça que. Tu calcules, c'est sûr. C'est sûr que, yeah, mon gars, quand tu y penses, j'étais. Moi, puis le job, on était un des. On a fait, mon gars. Parce que tout le monde était influencé par le style West Coast, East Coast. Puis vous, c'est ça. Personne. On est arrivé avec ça quand même. Le monde comprenait même pas c'était quoi. C'était malaisant. Ah, le monde était quand même. Ils comprenaient pas c'était quoi qu'on amenait. Non. Tu comprends? Ils comprenaient pas. Mais c'est ça qui est que, ouais. C'est ça, le regular condition. Moi, je shout-out les ministres avant qu'on aille sur Patreon. Parce que vous savez déjà, la discussion va continuer sur Patreon. Là, on rentre un peu plus dans les détails des vraies choses. Des détails croustillants. C'est ça. Donc, gros shout-out à tous les ministres. Merci à vous. On est ensemble, man. Gros shout-out Librairie Racine, Montréal, Centre-Sud, 125 D-Town, Invivo Photo Booth, Jonathan Breton, ConceptionLogo.com, J Magistra Sainte, Steph Master, Stevens Ellie, Freezer, SansFocusFitness.com, Entraînement Physique en Ligne, Moodilia, Iconic Records, Paulson Williams, Carla Pierre, Fleet Feet, CO,
Service de nettoyage de souliers. Erika Ball. Ça, je pense que c'est un nouveau. Erika Ball. JDMD, EmpireDurag.com. L'atelier duo de chef. Gros shout-out à vous, man. Mike Zop, Simon Bourque, DJ Flash, Nibi 704 officiel et Z de Lax. Gros shout-out à tous les ministres. On est ensemble. Et voyez, ouais, je dis ça vite. Pas comme quand le Trump rappe. Wow. T'as-tu fini, gros? C'était les sponsors? T'as-tu fini, là? Non, c'est pas les sponsors, c'est les personnes qui nous supportent depuis le début. Dans le fond, c'est vraiment c'est pour les ça, fans, là, ouais. La fête, c'est les longue, les ministres. C'est les ministres, c'est tout. Les gens qui nous suivent de proche, pour être ministre, allez, patreon.com. Shout-out à Kevin. Kevin! T'as-tu dit comme ça, Kevin? Mais ouais, c'est bon. Tu regardes Occupation Double? Il manquait le coup de drum, ton punchline, là. Tu regardes Occupation Double? T'es-tu malade? Pourquoi? Je t'aurais vu dans une émission d'Occupation Double. Ouais, j'avoue, un gars Grammy. Peut-être même animateur. Là, je fais du rap. Mais non, t'es fou. Je me plug en même temps, le chum. Il aurait été cancelled. Il aurait été cancelled. C'est ça, le gars qui... Est-ce que vous avez eu peur quand il y a eu la liste des personnes qui étaient cancelled au Québec dans le rap game? Vous avez pas eu des... Je serais jamais cancelled, moi. Personne peut me cancel, man. Parce qu'il y a deux trois noms qu'on ne voit plus. Qui sont fait cancel. Il y en a que tu le vois même plus. Mais avant, dans les shows, j'ai pas eu peur. Ils ont devenu des pasteurs. Il y a des gros noms. Ils ont devenu des pasteurs. Ils ont vu les églises dans le ciel. Dans le rap game. T'as pas grandi, Timon, l'église, toi, Rickon? Non. Ma mère est très religieuse. C'est un petit gars bien. On va aller sur Patreon. Mais avant qu'on aille sur Patreon, je veux que vous dites le mot de la fin pour les gens qui nous écoutent. C'est quoi le mot de la fin? Yo. Ben, dans le fond, moi, je veux juste donner des shout-outs à des gens qui ont joué un rôle important dans ma carrière. Big shout-out à Nightcrawlers, you know. Oh, Nightcrawlers! Yeah. You are Nightcrawlers! Mais oui, je connais. Tu vas parler d'X-Men? Marco. Ben, je sais pas si tu connais de son AKA, Santana. Santana, gros shout-out, man. You know, mais oui, il me connaît. Hermès Toulouse, big shout-out à ces gars-là. Toulouse. And I know him too, yes. Yeah, tous ces gars-là. Big shout-out à MTL Street, Mastermind. Ah oui, Flip qui travaille avec Fizzy. Là, ok. Ouais. Ben, ça va, c'est qui? Flip, tête chaud. Flip, ça va être professionnel. C'est pour ça que je te dis. S'il y a des noms, s'il y a des noms que j'oublie, je m'excuse, you know. Ouais. Mais mainly, c'est ça, guys. Puis encore une fois, gros merci à vous pour l'invitation, you know. Ça fait chaud au corps, comme on dit. Puis yo, lâchez pas les gars, you know. Thank you. Merci à vous, man. Longue vie. Longue carrière. Bon mot de la fin, hein, oui. Non, ils ont fait. Yeah. Vas-y. Allez checker le projet, si à moi. Allez checker le projet si à moi, il va sortir ou quoi? Random streams up. Avec votre vidéo, ça fait un an. J'espère qu'il y a un clip là qui va sortir. Un an, man. Faites un genre, les gars. C'est une stratégie marketing. Ah ouais, c'est pas sûr. Ok, fait que vas-y. Alors, tu vois de quel bois je me chauffe? Non, mais sérieux, les gars, merci. Shout out rap politique en premier lieu. Je dis pas mal de niaiseries, les gars, mais je suis loin d'être cave. Vous connaissez le slogan? Shout-out Récal, mon bras droit depuis combien, 15 ans, man. So, allez checker le projet. Si à moi, à Bonne Duo, qu'on vient de drop dans le bar, qu'eux, ils n'ont pas écouté. Non, on l'a écouté, arrêtez de niaiser. Ah, ils l'ont écouté dernière minute, mais je respecte ça. T'es même pas obligé d'écouter nos affaires. Tu parles de Si à moi ou notre... Ouais, Si à moi. Non, je parle de le gars avec le troisième bras dans le front, là. Ah, il parle de Si à moi, Tchernobyl. Tchernobyl, t'as l'album du haut, Tchernobyl. Tchernobyl, okay. Non, mais sérieux, allez checker le www.lechum.com. J'ai 40 CD en physique encore. J'ai les clés USB avec 63 albums. Remonte-la. 63 albums. Merci Cyrano de faire la promotion de ma clé. Oui, on l'a fait. 63 albums. On l'a fait déjà. Ben là, on peut le faire deux fois, ça coûte plus cher. Jette-toi. C'est-tu dans le package deal, les gars? Ça coûte-tu plus cher? Ben non, parce qu'eux autres, ils nous chargent pas comme certains autres médias. Tu sais,
Puis faut finir au show. C'est ça, le chum.com, ça se passe. C'est comme ça, ça finit comme ça, c'est comme ça. C'est ça, checker nos trucs, nos pis. Ferme ça comme ça, bro. Puis c'est là, toi, ça. Attends, je non, mais dans le fond, ce dernier mois, je veux juste dire que. Je pense que les gens nous sous-estiment beaucoup, you know. Puis encore une fois, tu sais, on peut débattre du pourquoi, mais allez checker le projet, puis allez comprendre pourquoi qu'on est des pionniers. Et justement, de qui qui parlait, ça va être sur Patreon. Qui charge? Quel média qui charge pour les entrevues? And we are like that! Rap politique, Patreon!